Waouh. Eh ben, franchement, si on m'avait dit qu'on foutrait le bordel comme ça dans un théâtre. Faites du bruit pour vous. Merci d'être là, les amis. Merci à vous. Il faut quand même dire quelque chose, hein. Ouais. Non, parce que quand on a lancé ça, on s'est dit on va essayer de leur vendre rien. C'est on vrai. Leur a juste dit soyez là le 19, on verra ce qu'on fait. Et vu que là tout de suite on sait toujours pas ce qu'on fout. Vous connaissez, il y en a qui regardent la gueule, on n'a rien préparé les gars. Ah mais rien, on est à l'arrache totale. Et ben en attendant, vous êtes venus, il y a 800 personnes ce soir au gymnase sur la base de rien, juste parce qu'on est ensemble. Merci les amis, merci beaucoup. C'est incroyable. On va pas leur raconter n'importe quoi. Ouais. On avait préparé une très belle entrée. Ouais, franchement, avec ouais. une histoire. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Ouais, tu vas me donner un petit coup de main parce que Allons-y. On n'a pas eu le temps de la ficeler. Bah, c'était l'histoire de la barque. Ouais, déjà, tu vois le déjà, problème. Déjà, ça part mal. Tu vois, le problème est là. Hein. Non. Non, mais c'est vrai. Il y a 3 ans, quand on a commencé, on peut partir du principe qu'on était sur une barque. On était en plein océan et on n'avait pas grand-chose. Hein. Ah non. Et quand on regarde un petit peu maintenant, j'ai quand même l'impression que le porte-avions, il est quand même très joli, hein, que vous êtes tous dessus et que vous avez tous envie d'aller vers une île où il y aurait moins de galères, où il y aurait moins de fous, où il y aurait moins de chiens qui sont comme ça en train de souffrir tout le temps. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'en 3 ans, on a réussi à amener autant de personnes vers un horizon où il y a quand même un petit sourire au bout, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Alors merci beaucoup. Merci. Eh ben, elle est pas dégueu, mon histoire, ma gueule. Franchement. Tu vois ? Pour un truc pas répété. Et... Tac ! Aux petits oignons. T'as vu ? Cousu. Comme une laisse esprit dog, mon petit pote. Voilà, bon. Eh, les amis, merci d'être là. Vous savez, vous êtes tous ici. On est ensemble, on est nous deux. Mais ce soir, on n'est pas seuls. Non, parce que ce soir, ils ont décidé de venir jouer le jeu avec nous, de venir tenter d'offrir 11 tonnes de croquettes. Les amis, merci d'applaudir. Premier invité, Loni. Y'a du monde, hein? Non, mais respectez, ils m'ont rien dit, les gars! Ils m'ont dit, on va faire un petit truc, viens, ouais, en mode on sera tranquille, on va prendre l'apéro. Eh bah, regarde, eh bah, c'est un grand apéro! Voilà! Le monde, ça va ou quoi? Oh non, non, pitié! Non, franchement, du bruit pour Esprit Dog, c'est incroyable parce qu'ils m'en ont parlé cet été. Je les ai écoutés, je me suis dit, ah vas-y, ils vont faire ça en 2041. Ils ont fait ça maintenant, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci, André. Merci beaucoup. Merci. Merci, frère aussi. Faites du bruit, s'il vous plaît. Elle est avec nous ce soir aussi. Valérie Damido est avec nous. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ouais, ça fait plaisir. On va s'amuser. Ouais, j'espère. Les amis, si vous avez de la déco à faire chez vous, si vous voulez gratter des trucs, c'est le moment. Gratter du tarot, hein. On a son numéro, on peut le balancer. Vas-y, ne te gêne pas. Franchement, Valérie, merci, parce que comme tous les autres et comme vous, elle non plus, elle sait pas ce qu'elle va faire ce soir. Ah non, rien. Mais personne ne sait, les amis, ce qu'on sait, c'est qu'on va juste s'amuser. Merci d'être là, Valérie, merci à toi. Vous les suivez sur YouTube aussi, j'en suis persuadé. Faites du bruit pour les deux prochains invités, JM et Pascal Sodens. Ah, hey, on y est, on y est, regarde. Ça va ou quoi ? Merci d'être là, les copains. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Eh ben merci d'être là, quelle entrée. En tout cas, faites gaffe s'il y a des ados dans notre salle. Parce que ça peut partir direct. À tout moment, les amis. J'espère que les chambres sont rangées. Un ado difficile, un chien difficile. Regarde comme ça balance. Et on débarque. On peut faire les familles entières maintenant. Ta chambre, elle est pas rangée ? Comment tu t'appelles ? Jimmy. Ouais, déjà, c'est un prénom à problème. Jimmy, t'es cuit. Tu viens du Nord ? Ah, du nord de l'île de France. Ça marche. Hey, Jimmy, t'es venu avec tes parents? Putain, t'es de sa mère?
On dirait sa sœur. Mais deux. Mais comment c'est possible? On dirait. Ils sont où vos parents? Arrêtez vos conneries. Allez, arrêtez, ils sont où vos parents? Il est. Tu l'as montré du doigt, il est pas sage? Ah. Oh là, t'es, attends, t'es qui toi? Jimmy, on se parle après. On se parle après. Et elle, c'est qui? Vous la connaissez du coup? C'est ta nièce. Ah d'accord. Faites il va passer une bonne soirée. Merci les gars, d'être là. Merci les gars. S'il vous plaît. Vous le suivez aussi sur YouTube, j'en suis persuadé. Faites du bruit pour Inox Tag. Oh là là. Ça va bien. Ça va bien. Ça va, mon frérot. Salut, va. Salut l'équipe. Merci d'être là, mon pote. Merci. Pas de soucis, pas de soucis. Merci, Inox, d'être là. Merci. Faites du bruit, s'il vous plaît. Humoriste est là. Elle a elle-même ses 10 000 personnalités parce qu'elle c'est peut ça. Les faire les voix c'est de ça. Tout le monde. Faites du bruit pour Sandrine Alexis, s'il vous plaît. Ça va? Ça va bien? Ouais, super, waouh, c'est beau! Pas mal, hein? Bravo! Waouh, c'est cool! Magnifique, hein. Bravo, félicitations merci. Les gars! Merci d'être là, beaucoup. Sandrine, merci! Ça fait plaisir. Merci beaucoup! Eh ben, merci. Merci à toi d'être là, on va passer une super soirée! Et enfin, notre dernière invitée, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Vae Malama Chavez! Hey. Ah ouais. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment... Allez, allez. Allez, on enlève tout. Allez, j'enlève tout. Il y a Pascal derrière. Il va se lever. T'enlève pas, Pascal. Bye, Malama. Merci d'être là. Merci d'être là. Mais absolument. À ta place. À ta place. Non, non, vraiment. Couché. Je voulais. C'est pas moi. Pas bouger. C'est pas assise, moi. Assise. Et pas bouger, bouger, pas bouger, pas bouger. Voilà, très bien. Bon, hey, les amis, merci d'être avec nous. En tout cas, ça fait plaisir. On va passer une super soirée. On va s'éclater. Mais surtout, on va essayer de choper le maximum de croquettes parce que c'est le but du jeu ce soir pour les refuges qu'on a beaucoup besoin, qui sont de plus en plus en galère parce qu'ils n'ont aucune aide. Je vous le dis, les refuges, les assos, c'est un délire. Il n'y a personne qui les aide. Donc merci à vous d'être là pour les aider. Merci à vous d'être là pour les aider, les amis. Avec plaisir. Parce que 11 tonnes de croquettes, ça va faire du bien à beaucoup de monde. Ça, c'est sûr et certain. Les croquettes, les croquettes, les croquettes, croquettes. 11 tonnes. C'est slogan. Bon. Ouais, bah, on va les déverser dans le gymnase. Vous avez bon, très bien. Bon, vous avez vu, il y a un siège de libre. Pourquoi il y a un siège de libre? Mais pourquoi donc? Un invité surprise. Il y a un invité surprise. Est-ce que vous savez qui est l'invité surprise? Non, le vous ne savez pas. Noël. C'est le Père Noël. Oh, tu peux faire la voix du Père Noël aussi. Père Noël. Ouais, ouais, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche évidemment. Non, le Père Noël, là, bah non, le Père Noël. Non, là, c'est pas pour toi. Il est. Me touche pas. Ouais, me touche pas. Contre-toi. Me touche pas. Il y a du monde. Bah, je te l'ai dit. Les gars, c'est filmé, non, c'est filmé. Le combat. Ah, putain, c'est un truc caritatif à la base. Foutez-moi un octogone au milieu, on en a rien à foutre des jeux, nous on va faire ça comme ça. Bien sûr, là, l'invité surprise, c'est simple, c'est vous. Il y a une personne, tous les jeux, qui va jouer avec nos célébrités. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Alors regardez, le but du jeu, il est très simple. Je vais envoyer cette grande boule de Noël dans le public. Ça va tourner, écoutez-moi, écoutez-moi, ça va tourner pendant 20 secondes. La dernière personne qui a touché vient jouer avec nous, ça marche? Bon. Mais comment ils font s'il y en a un, il le prend et le gagne? Non, mais t'as entendu la règle? Non, mais s'il en veut pas. Il a même pas entendu la règle. Attends, s'il veut pas, s'il veut pas. S'il veut pas jouer, il passe à quelqu'un qui l'aide pas. S'il veut pas, on le prend, ouais, on l'amène là quand même, c'est tout. Ça peut durer longtemps le jeu. Ça peut durer très longtemps, mais regarde, ça va pas durer longtemps, c'est allez parti! Allez, pendant 20 secondes, allez! Moi, je l'aurais gardé, moi. Non, mais garde-le, garde-le. Voilà, voilà, voilà. Les gars, ils sont là sur scène, hein. Personne ne veut, en fait. Ouais, c'est ça. Allez, 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 faites circuler. Mais moi, je l'aurais déjà fait ça, là. Et en haut, là, les dames, allez, là, stop, stop. C'est top, c'est là. Juste là, là, j'ai vu. C'est fini, les amis, hein, c'est fini. Les amis, c'est fini. Juste là. Oui, allez, viens, applaudissez. Comment tu t'appelles? Comment? Adèle. Adèle, très bien. Bonjour. Salut Adèle, Adèle. Tu bonjour l'as Adèle, Adèle. Salut Adèle. Bienvenue, tiens, hop, prends ce petit. Hop, Adèle, je te présente nos invités du soir. Non, Adèle, non, Adèle. Ils sont là. Bonsoir. Bon,
Les amis, alors, on va jouer à un jeu très simple. On va jouer au top 3 dog. Voilà. Alors vous allez comprendre très rapidement que les noms de jeu, c'est pas notre. On est nuls. Hein. On est vraiment des merdes. Ouais, eux, ils sont au courant. Vas-y, explique les règles. C'est le top 3 dog. Hein. D'accord, d'accord, très bien. Et c'est Inoxtack qui va commencer à jouer avec nous. Viens avec nous. C'est bien. Allez. Bravo. Oh, c'est pas vrai. Comment ça a pété? Fais gaffe. Non, t'inquiète, j'ai rien cassé. J'ai rien cassé. À tout moment, je lui donne le feu vert. Hein, non, non, t'inquiète. Je suis chaud. Je suis très chaud. Inox. Principe très simple, on va jouer à des top 3, d'accord? Les Français ont répondu à des sondages, il y a des top 3. Le but du jeu, c'est de réussir à retrouver le maximum de réponses dans ce top 3. Tu as deux essais tout seul, ok? Ça c'est facile. Et le troisième, tu pourras te concerter avec les copains. Ok. Ça marche? Une bonne réponse dans le top 3, c'est 100 kilos de croquettes pour les refuges. Deux bonnes réponses, c'est 200 kilos. Et les 3, c'est 500 kilos qu'on rajoute à la cagnotte, ok? Donc faut avoir les 3 là. Allez, donc c'est. Le but du jeu. Essaye ça, hein? Alors. Deux essais tout seul. Donne-moi le top 3 des cadeaux. C'est sur les chiens ? Non, non, non. Sur... non, peut-être c'est un foot global. Non, non, sur non, la là, carrosserie. Bon, je suis sur la carrosserie. Okay, là. Je me focalise sur les chiens. Je suis sur la carrosserie et les marques de bagnole. Focalise. Focal... Est-ce que bah, tu veux focal bien. Tu veux bon, essayé, là, ça y est, tu l'as. Tu me dis si t'as besoin de 10 secondes de plus, je te les donne. Vu que t'es arrivé une heure en retard, je suis pas à 10 secondes près. T'inquiète. Le top 3 des cadeaux de Noël à son chien. Allez. Il faut en retrouver, il faut retrouver le top 3. Bah un jouet. Un jouet c'est numéro 1, bravo, ça fait 100 kilos, bravo. Ouais. Là j'ai gagné 100 kilos là. Ouais. Là, il y a okay. J'ai gagné numéro 100 2. Kilos. Je vais en donner 3 bah, si je non, dis 2. Numéro 2, ouais. 200 kilos. Si tu en donnes un deuxième, un deuxième 200, c'est 200 kilos. T'as pourtant la vérité, j'avais okay, écrit là la règle et tout pour que ce soit simple et tout. Ouais. Deuxième, le jouet. Ouais. Et bah à manger, les friandises quoi. C'est numéro 3, bravo, ouais. Ah, bravo. Oh, c'est bien. Et là, pour le troisième, t'as le droit de te concerter avec les copains. Okay, le troisième, si vous avez des idées. Un os. Un habit. Ouais, mais ça, c'est. Un habit. Un habit. Un habit. Un habit. Un habit. Ah, mais ça marche pas dans les jouets, ça. Si, c'est des jouets. On est sûr à dire un habit. Un chat. Un habit. Ouais, un manteau. Moi, j'aurais dit un chat. Un chat. J'ai entendu un chat. Un chat. Un chat. Un paillette. Un collier à paillettes. Un collier à un collier à paillettes. Un collier à paillettes. Quoi ? Ah, un nouveau collier. Oui, un nouveau collier. Qu'est-ce qu'il y a ? J'hésite entre une collier médaille, et collier. Une médaille. Et quoi ? Une médaille. Moi je dis. Il a déjà la médaille. Moi je dis panier. Un panier. Allez, stop. Un panier. Un panier. Un panier. C'est un panier. C'est un panier. Attendez, attendez. Déjà, attends, attends. C'est un panier ou. Qui a dit un chat déjà ? T'as dit un chat ? Il a dit un chat. C'est okay, pas dit un chat. Non, on a dit les chiens là, on est focalisé sur que les chiens ce soir. Alors, ta réponse. Panier ou collier ? Panier, panier. Le panier, le panier, le panier. Panier, le panier. Tu vas dire un panier, un panier. Un panier, trois bonnes réponses. Elle est belle. Elle est trop fort. Bravo. 500 ouais. kilos. Ça fait 500 kilos là. C'est 500 là, kilos 500 déjà pour les mots. Bravo. Valérie. Allô. Allez, viens avec nous, on va passer Valérie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, allons-y. Eh, hey, mais hey, c'est pas cool en fait, Tony. Pourquoi? C'est-à-dire, si elle répond à la mauvaise question, les croquettes, tu vas en faire quoi? Écoute-moi bien, hey, tu veux que je dise la vérité? Pour ta gueule, là, j'ai triché. Ah. J'ai triché, j'ai mais dit on n'a pas le droit de tricher. Mais je suis obligé avec lui là, regarde-le. Non, non, triche pas. Il lui faut un quart d'heure pour se focaliser sur les chiens. Eh, non mais. Non, c'est vrai, t'as raison, autant pour moi, t'as raison. On a le droit de tricher avec Inox. Valérie. Ah ouais, avec moi tu peux pas tricher. Ah non, avec toi je triche pas parce que toi je sais que là, c'est... Oui, oula, je te mets de pression oula, direct. Oula, oula. Peut-être 500 kilos et ça ferait une tonne déjà. Le elle top 3 elle des raisons. La table, hein. Je crois que la table lui plaît pas. Hein. Dans deux secondes, elle va la changer. Vous la redesignez. Customiser. Le top 3 des raisons de prendre un chien. Alors, attendez. Hein. Deux essais tout seul. C'est les Français. Bah, parce que t'aimes les chiens, l'amour, quoi. Eh ben non. Aïe. Donc là, tu donnes pas de croquettes aux chiens. Là. Ah, je donne pas de. C'est pas moi qui les donne. On peut l'aider, on peut l'aider. Après. C'est le troisième essai, putain. On a. Écoute. Putain, on a fait des mécaniques de jeu, bordel. C'est pas. Un deuxième essai pour Il y a beaucoup trop de violence sur ce plateau. Ouais, t'as raison, t'as raison. Pardon, mais. On va se calmer. Attendez, attendez, attendez. La garde. Ah, un chien de garde alors. Un chien de garde. C'est top 1, les amis. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo, c'est bon. Ah bah dis donc, moi mon chien c'est pas un chien de garde, hein, je te le dis. T'as quoi, hein. T'as un chien, toi, moi j'ai un cocker noir, comment te dire, tu peux venir chez moi hein, quand tu veux. Il est accueillant. Le gars t'ouvre la porte, file ses croquettes, il en il a rien accueillant. À... Oh là,
Très bien. Bon, on est trois, t'as le droit de te concerter. On a au moins une bonne réponse. On essaye d'aller chercher deux. Allez, j'ai envie de dire. Compagnie. Compagnie, ouais. Oui, compagnie. Ouais. C'est un cadeau, ouais. Les enfants. Ah, les enfants, ouais. Pour aider. Chien d'aveugle. Ah, chien d'aveugle, c'est pas con. Ah, attention, c'est sur 100 français. Hein. Bon, là, c'est pas top 3. C'est pas top 3. Pour les enfants. Ouais, pour les enfants. C'est numéro 2, bravo. Oui. Oh, bravo les enfants. Alors ça fera 200 kilos, d'accord. Je vous le donne le troisième. C'est après une séparation pour la solitude, pour se faire. Mais les mauvaises raisons, franchement. Mais je te jure que c'est vrai. Et ça, c'est les vrais top 3 des Français. Mais c'est bien là le problème. On ne prend pas un chien pour quelque chose. On prend un chien parce qu'on a envie de prendre un chien. Bah, pour la, pas pour garder une maison, pas pour faire la vaisselle. T'es déçu hein, si tu prends le chien pour la vaisselle. Hein. Vite déçu. Non, mais c'est vraiment important parce que beaucoup de gens prennent un chien pour garder la maison. Pour garder la maison, il y a plein d'autres trucs. Il y a des alarmes. Il y a les armes. Il y a les alarmes. Non, putain. Il y a moi. Non. Il y a Pascal. Tu gardes la maison, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres pas. Tu ne rentres pas. Attention, Pascal méchant. Non, mais voilà, c'est important. Okay, on prend pas un chien pour quelque chose. Très bien. Bah, vraiment, en tout cas, ça fait 200 kilos. Ouais, on prend pas un chien pour quelque chose. Non, je ne suis pas là. Ça fait 200 kilos, en tout cas. Bravo, pour Valérie. Pascal, oh, allô. Oh, putain. Alors. Le top 3. Qu'est-ce qu'elle fait là, la table? C'était pour habiller un peu. Ça sert à quoi la table? Mais si tu veux la balancer, tu peux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de table. Là. C'est pour ça que je suis avec Guillaume. C'est pour ça que je suis avec Guillaume. C'est pour ça. Putain, il est bon, hein. C'est pour ça qu'on est un beau binôme tous les deux. Raison. Alors, donne-moi le top 3 des recherches Google qui commence. Top 3! Ah, c'est pas ça? Ça serait trop facile. Qui commence par pourquoi mon chien? On l'aide pas pour le moment, les amis. Pourquoi mon chien aboie? Pourquoi? C'est non. Non, j'en ai une, Pascal. Attends, il y a des jeux, les gars. Là, je dis après. Ah, ben oui. Pourquoi mon chien n'écoute pas? Non, c'est pas dedans. C'est pas possible. Bon, bah, si t'as le droit de faire. Je l'ai tapé hier. Tu l'as tapé, c'est-à-dire? T'as tapé qui hier? Le chien. Pas le chien. Je suis sur une jean dinguerie. Dis ça. Pourquoi le chien me mord? Mais là, on fait comme si on l'avait pas écouté là. Laisse-le tomber. Comment mon chien ne revient pas? Non, ça c'est ça, c'est ton cas perso. Mais non. Pourquoi mon chien me lèche? Pourquoi le chien tire? Pourquoi le chien me lèche? Oui. T'as cherché ça? Moi, mon chien me lèche pas. Enfin, moi, j'ai pas cherché, mais François, par t'as quoi comme chien? J'ai un Jack Russell. Ok. Et moi, me lèche pas. Non, je veux pas. Ah, je déteste ça. Ouais, c'est Non, bah, je te lèche entre les machins et après. Non. C'est d'amour, c'est une sorte d'amour. Ouais, c'est l'amour, oui. Je vais sur Google. Bon. Eh ben, ça fera que 100 kilos. 100 kilos, c'est bien. C'est bien 100 kilos de là. Pourquoi j'ai les questions toujours difficiles, moi? C'est vrai, tu veux faire celui d'après? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, 100 kilos, c'est bien déjà. Attends. On fait celui d'après, sinon. Attends, reviens, Pascal, on fait celui d'après. Encore une question. Tu n'y pas 100 kilos. Je vous donne... Pourquoi le chien me suit partout? Ça, c'est une question. Est-ce que tu veux jouer au Google? On va jouer au Google. Pourquoi mon chien vient aux toilettes avec moi? Non, c'est ton portable. Non, c'est un chien, tu sais, qui te suit aux chiottes. Ça, c'est basé sur tes recherches. Absolument. Nous, on a pris les vrais. Bon, dedans, il y avait pourquoi mon chien mange du caca et pourquoi mon chien perd ses poils. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mon chien mange du caca? Je te jure, c'est professionnel. Les gens, tu vois, c'est vrai. Je vais demander la semaine dernière. Eh ben voilà, tu vois, bon. Allez, qu'est-ce qu'on en est? Je sais même plus. Sandrine, on y va. Allez, viens avec nous. Alors, on est à 900 kilos, les amis. Allez. Ah, c'est vrai qu'on l'a oublié, la table. Hop. Alors, Sandrine, le temps. Tu veux un buzzer? Tu veux un buzzer? On peut? Bah, je fais semblant. Buzzer. Attends, mais moi, bien sûr, attends. Non, Gala, je fais ça. Gala, amène-moi le buzzer. Non, sinon on le fait avec la voix. Hein. Bah, bien sûr, tiens, regardez. Excellent. Mon rêve, merci beaucoup. Alors. Merci, je suis super contente. C'est vraiment. je suis ravie. J'ai travaillé pour ça et c'est une belle récompense. Buzzer de l'année, Remercie tes parents, Merci. Sans qui parents. Tu ne serais rien. Excellent, tu ne serais pas devenu buzzer de l'année. Alors, Sandrine, le top 3 des questions qu'entendent le plus les maîtres de chiens. T'as le droit à 2 essais tout seul. On l'aide pas, les amis, on l'aide pas encore. Le top 3 des questions qu'entendent le plus les maîtres de chiens.
Les maîtres de chiens. Attends, les maîtres de chiens se posent des questions sur leur animal. C'est ça. C'est quoi les questions qu'on pose le plus à un mec qu'à un chien dans la rue? C'est mal dit. En fait, c'est ta question est mal posée. Non. C'est mal formulé. Ça va pas. Moi, je viens, je participe. Si tu ne poses pas la bonne question. Alors, attends. Ah, est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer la personne qui vient la voir? Quelles sont les questions? Je joue la personne qui vient. Regarde. Il fait la simu. Vas-y. Moi, je viens. On se croise. Moi, je suis avec mon chien. Bonjour. C'est quelle race? Oh merde, de la race. Alors, il manquait ça. On était à ça. C'est ça qui manquait. Quelles sont les questions que se posent les maîtres de chiens entre eux? Mais non, parce que c'est pas forcément un maître de chien qui te la pose. Oh, mais c'est un mec qui te croise dans la rue avec son chien, avec ton chien. C'est le jeu le plus facile. Change la question. Non, ça m'inquiète pour les jeux d'après, surtout, moi. C'est les jeux d'après, ils vont être compliqués. Bah alors, je sais pas, les maîtres de chiens, quelle race de chien vais-je choisir ça. Vous savez, attendez. Là, moi, j'ai compris. C'est toi qui te promènes avec ton chien. Et c'est quoi les questions qu'on pose à un mec qui se balade avec son chien? Ben voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il mord? Alors je sais, c'est bon. Merci Valérie. J'ai compris, alors. Oh, qu'il est mignon. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle et ta question? Quel est le nom de votre chien? C'est faux, c'est une mauvaise réponse. Oh, mais non. Tout ça pour ça. Non. Mais non, il c'est mort pas vrai. C'est pas dans le top 3. Scandalisé. Allez. C'est quelle race? Oh, qu'il est mignon, comment il s'appelle? Je t'ai mis un buzzer quand même, il est pas pour rien. Est-ce un mâle ou une femelle? La race. Non, la race. Première question. Mais ça n'a pas donné tout le temps. Mais donne la réponse. Les gens veulent tout le temps faire quoi avec un chien quand ils le voient? Il va faire des câlins. Vas-y. Je peux le caresser. Est-ce que je peux lui faire un câlin? Oui, c'est numéro 1, bravo. Qui demande ça? Est-ce que je peux caresser ton chien? C'est le top 1, les amis. Alors, attendez, tiens, regarde. Est-ce que dans tous ceux qui ont des chiens, ça vous arrive souvent qu'on dise « Est-ce que je peux le caresser ?» Ouais. Voilà. Loni, hey. Oui. Tous les jours. Mais non, pas ouf. Moi, pas ouf. Non, les tiens, non. Non, les miens. Les tiens, bizarrement, non. Bizarrement, non. On me le propose jamais. Non, absolument. Allez, donne-moi en un deuxième, allez. Bah oui, C'est quoi sa race? Oui, de quelle race? Qu'est-ce que c'est comme race? Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai pas entendu, pardon. C'est trois, bien, bravo, allez. Allez, attends, on essaie le troisième. Allez, troisième. Est-ce que les copains, ils ont... Attends, parce que je les ai pas, moi, non plus. Non. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'on peut le caresser? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que vous allez l'abandonner? Non. Est-ce qu'il est gentil? Voilà, est-ce qu'il est gentil? Oui, allez, c'est bon, bravo. Salut. Bon. On en est à combien? On est à 500, je compte 500 kilos sur celle-là, d'un point de vue collectif, le jeu, le beau moi, jeu. Moi, j'ai pas beaucoup été aidé. Hein. Non, que dalle, une réclamation. On lui a rien donné. On est à combien? On est à 500 sur le premier. On est à... Ouais, c'est le problème de pas compter. On est à combien de kilos? On a fait les comptes? Quelqu'un a fait les comptes? Moi, j'ai fait 200. Moi, j'ai 200. T'as fait 100, ouais, 100 ouais. Ça fait 300 et une tonne 3. C'est... Ouais. Une tonne 3 pour la dernière question, évidemment. Eh ben, je me souviens plus de son prénom, chemin. Adèle, excuse-moi. Adèle. Viens avec nous, Adèle, allez, viens. Ça va? Ça va, Adèle? Ça va. Pas si mal. Si, il marche très bien. Tout va bien. Adèle. Qu'est-ce qu'on a là? Dis-moi bien. Il comprend le rien, top 3 des chiens qui souffrent le plus de délits de sale gueule. Oh. C'est quoi ça? Qui est vraiment, on les voit dans la rue, c'est... Le malinois? Non, ah, non, malinois, c'est beau. Non, malinois, c'est beau gosse. C'est beau, un malinois. C'est beau, c'est malinois, c'est beau. Le pékinois, c'est affreux, un pékinois. Le malinois? Le malinois, c'est troisième, les amis. Délit de sale gueule, c'est pas possible. Non, là, c'est aberrant. Souffre, délit de sale gueule. Là, c'est aberrant. Mais les grands mots, le malinois, c'est fou, quoi. Le staff, c'est deuxième. Le staff, c'est un délit. Peut-être un sans faute. C'est super beau. Alors, c'est pas un délit de sale gueule, c'est un délit de mauvaise réputation. Absolument. Ah oui, c'est pas dit, c'est sale gueule, c'est les chiens moches. Oui, d'accord. Donc, c'est délit de mauvaise... Si on est tatillon sur les mots, oui. On a dit que
ta question est mal posée. Mais c'est pas grave. Merci. Bravo. Merci. C'est dur. C'est dur. J'ai le même problème. Rottweiler. Le Doberman. Le Rottweiler, le Doberman. Alors, attendez les amis. Oui, mais ils sont méchants. C'est de sale gueule. C'est Rottweiler ta réponse pour le numéro 3. Oui, moi je trouve ça mignon. Pitbull, 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 Pitbull. Pitbull. Rottweiler ou Doberman, ouais, moi je dirais. Pitbull. Non. Pitbull. Ouais, mais Pitbull, c'est trop large. Rottweiler. Rottweiler, ouais. C'est un sans faute, les amis. Oh bravo. Et 500 kilos de plus. Bravo. Bah ouais. Le Rott aussi. Le Rott aussi, ça c'est vrai. Et les trois, on a le staff. Staff Pit, qui sont grosso modo dans la même merde. Trois, hein, voilà. Ces trois races-là, malheureusement, font partie des délits de sale gueule. Ça fait partie des trois chiens qui cristallisent un petit peu tous les maux de la société aussi. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Pourquoi ? La plupart des gens qui ont peur de ces chiens n'en ont soit jamais vu, soit jamais eu. Mais quand on n'a pas eu ou quand on n'a pas vu quelque chose, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais alors la question c'est pas est-ce qu'ils sont moches, mais plutôt est-ce qu'ils font peur. Mais on n'a jamais dit est-ce qu'ils sont moches. Mais putain, mais c'est pas vrai. Même quand on a un délit de sale gueule, c'est quoi un délit de sale gueule? Un délit de sale gueule, c'est quand on voit ta tête, on dit, on te, il y a des préjugés. Bah t'es moche quoi. Mais pas que. C'est un vrai problème et c'est un problème. Ça remplit les refuges surtout. Ça remplit les refuges, ça fait des chiens fous. Parce que pour le coup, quand vous montrez du doigt un chien, quand vous avez peur, quand vous vous écartez de votre chemin parce qu'un de ces chiens-là arrive, eh bien vous envoyez un message, sans le savoir, à ces chiens justement. Et vous allez les rendre dangereux, agressifs, à cause de votre comportement et par une peur qui en plus n'est sur la base de rien. De base, ce sont des chiens. Et ce que vous allez leur offrir comme éducation vont être ensuite, vont les suivre tout le long de leur vie. Alors, ce que vous devez faire, vous qui avez des Malinois, des Staffs, des Rottes, notre travail à tous, c'est d'expliquer, c'est de faire comprendre les choses. C'est d'arriver à pas toujours s'énerver comme des fous, parce que même moi, ça m'arrive très souvent des fois d'avoir envie d'en mettre une. Mais au contraire... Oh, si peu, si peu. Si peu. Oh, les hypocrites. On a dit envie, il a pas cédé. Vous en avez tous eu envie. Si peu. Mais de faire preuve de pédagogie. Moi, c'est ça, mais avec les jeunes, j'ai envie des fois de... Et je sais bien, mais je te comprends parfaitement. Et on doit faire preuve de pédagogie. On doit impérativement lutter avec nous-mêmes, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais surtout, ils ne vont pas s'en sortir et ils vont continuer à remplir les refuges et on ne va jamais y arriver. Donc vraiment, pédagogie, pédagogie, pédagogie. On ne lâche pas l'affaire, les amis, d'accord ? Oui. Eh ben en attendant, ça fait quand même 1,8 tonne pour les refuges, les amis. 1,8 tonne pour les refuges, c'est bien. 1,8 tonne. Une tonne 8 pour les refuges, les amis. Merci et applaudissez Adèle aussi qui était avec nous. Je te laisse retourner à ta place, Adèle. Merci à toi. Va envoyer la boule. On va choisir une deuxième personne pour venir jouer avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la boule? Là-bas. Allez, on voit ça. Dans Fort Boyard, la boule. C'est vrai. Et en haut, là, envoyez-la en haut aussi, là. Essayez de faire passer par le haut, les gars. Allez. Oh là. Oh. Hop là. Quand ça a tapé c'est là. Toi. C'est toi. Comment tu t'appelles? Oui. Oh non, non. Non, viens, prends autre chose. Y'a quelqu'un qui a un prénom normal ici ou pas? Svetlana, viens avec nous! Allez, applaudissez-la! Alors, les amis, vous l'avez vu, on a mis des boîtes, des petits cadeaux de Noël. Bienvenue, Svetlana! Comment ça va? Tu viens d'où, Svetlana? Salut! De Mayenne, très bien! C'est cool la Mayenne? Non! C'est pas ouf quoi! Hein. Ah, c'est pas ouf hein! Non. Bah, c'est mieux l'Espagne, ça c'est vrai, tu as raison, mais c'est vrai, on défiscalise mieux!
Bon, les amis, on va jouer. Svetlana, tu vas jouer aussi. Il y a beaucoup de croquettes à choper, je vous le dis. Vous avez vu, on a mis 50 boîtes sur cette table. Elles ont toutes un trou. Et dedans, il y a plein d'odeurs différentes. Oh. Okay. On va rentrer dans la tête d'un chien renifleur. Oh, mais vous allez comprendre. C'est drôle. Y a... Non, non, il n'y a pas de truc bâtard. Il y a énormément de caca dedans, quoi. Y a... Oui, mais frais. Donc ça va. Écoutez-moi. Énormément de moments de solitude sur ce jeu. Non, tu vas voir, ça va être très rapide, regarde. On va rentrer dans la peau, on va rentrer dans la tête, on va essayer en tout cas d'un chien renifleur. Comment il fait pour retrouver une odeur parmi des dizaines? Donc, il y a toutes les boîtes ont une odeur différente, ça fait 8 qui ont la même odeur. L'odeur qui est sur ce petit foulard. Ce qu'on appelle une odeur de référence. D'accord? Vous la sentez? Et ensuite, vous avez 30 secondes, un par un, on y va, pour choisir la boîte où vous dites cette boîte a la même odeur, ok? Et pour l'instant, vous la gardez, oui. Tu vois, là, la question, elle est super bien posée. Là. Bah, merci. Là, moi, j'ai tout compris. C'est vrai? Ah ouais, là, c'est bon. Et si on a les nez bouchés, on fait comment? Peut-être parce que c'est pas... Comment? Si on a les nez bouchés un peu, on fait comment? Écoute-moi. Ah. Bah, parce que c'est un peu l'hiver dehors. C'est... Oui, c'est vrai. Eh bien, on va le faire quand même. Ah. J'avais pas du tout de parade à cette question. Je pense que le nez va se déboucher, là. Ne t'inquiète pas. Justement, c'est peut-être bien que tu le fasses pour tourner, vraiment. Hein. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Qui veut à chaque fois 30 secondes, hein, donc ça va vite, 30 secondes. Ah oui. Et il y a les 8 boîtes, elles sont un peu dispersées. À vous de les trouver. Vous n'avez pas le droit de prendre la boîte dans votre main, d'accord? Non, mais si on voilà. Dit c'est celle-là. Une fois que tu l'as, tu dis c'est celle-là, et hop, et pour l'instant c'est celle-là. Chaque boîte retrouvée, c'est 300 kilos de croquettes. Ok? Allez. Ça roule? Qui veut commencer avec cette odeur? Tu vas? Allez, vas-y Valérie. Hop. Allez, je t'en prie. Sens là. Attends, oh là, je sens que ça va plus. Non, non, c'est du parfum qui est dessus. Ah oui, ça sent du parfum. C'est du parfum. Ça, c'est du parfum. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Ok, allez, c'est parti. Eh ben, tu as 30 secondes, Valérie. À toi de jouer. C'est bien, c'est rapide, hein. C'est très rapide. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est bon, t'as pas besoin des 30 secondes en plus. Ah bah non, c'est celle-là. Eh ben, vas-y, alors, prends-la. Ouais, ça fait une boîte. On verra tout à l'heure. Attends, on va relancer le chrono. T'inquiète. Ça, ouais, j'ai vu. J'ai vu que t'étais dans les starting. Mais tu vas y aller, t'inquiète. Tu vas y aller. J'aime. Es-tu prêt? Je suis prêt. JM, t'as 30 secondes. Allez, là, on y va. Dans le micro. Ça sent bon. Mais il a pas senti la référence. Si. Il l'a dans la main. Allez, JM. Il y a une petite technique qui est de rentrer le nez. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Tu penses celle-là? Celle-là? Bah, attends encore 20 secondes, vas-y, hein, tu peux y aller. C'est très dur. Hein. C'est très dur. Ouais, c'est bon pour toi. Et bah, prends-la avec toi, on verra tout à l'heure. Allez, Pascal, relance le chrono. Ils ont tous mis leur bouche dessus, quoi. Bon, mais avec le Covid. Que j'ai commencé. Écoute-moi bien, pourquoi tu crois que c'est moi qui ai démarré? Rapport à vos miasmes. Ça sent Valérie, hein. Allez, t'as 30 secondes, Pascal, à toi de jouer. Attends, j'ai pas. D'accord, ok. Oh là là. Ok. Allez, c'est bon. Oh putain. Allez Pascal, chaque boîte retrouvée c'est 300 kilos les amis, hein, 300 kilos. Ouais, pour toi c'est ça? Je pense. Eh ben allez, on garde. Super. Hop, Lodi. Y a Svetlana aussi. Hein. Bien sûr, y a Svetlana. Mais bien sûr, on a évidemment. Point, tout. Lodi, sans ça, est-ce que ça te rappelle une ex? J'espère pas pour lui, parce que franchement, le parfum... Non, je pense que toi, il y a des ex que tu vas reconnaître là-dedans. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça sent la merde. Justine, putain, je te reconnais. Allez, t'es bon, c'est vrai, ça va aller? C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est du parfum. Parfum bas de gamme. Bas prix, oui. C'est genre de l'eau de Cologne, le dos, quand même. Ouais. Hein, Ok, allez. Allez, on y va, c'est parti. 30 secondes. Allez, Loni. Allez, il y a plein de boîtes qui n'ont pas été faites. Hein. Allez, il faut en trouver 8. C'est ça? C'est bon. Ah! C'est quoi comme chien ça? Regarde, il passe d'une boîte à l'autre et il... Je sais pas. C'est bon, mais tous les autres étaient assez organisés. Non, lui il s'en fout, il part là. Mais ça... Il est perdu, ça y est, c'est fini. Celle-là? Ouais, celle-là ouais. Allez, pas là. Svetlana, à nous. Je t'en prie. J'ai terminé dedans. Allez, retrouve la boîte, la bonne Svetlana. C'est parti. C'est au milieu, je pense. Hein. Ouais. Parce qu'on a déjà fait les autres. C'est déjà rodé hein, aux extrémités.
Ouais. Elle a sorti, elle a sécurisé le dos. Ouais, elle a pris un. Attends, j'y vais. Double prise d'odeur, je valide. J'espère qu'elle sera bonne. C'est bon, j'y vais. Bah, Emma, là, c'est à toi de jouer. Allez, 30 secondes pour retrouver. Il y a encore combien? 3 boîtes à trouver. Je vous rappelle quand même, c'est 300 kilos par boîte. Et il y aura même un bonus si vous avez été bon. Alors, profitez-en. Oh, tu le plies bien et tout, toi, c'est... Tu veux le mettre autour du cou? Non, mais c'est pour être sûr d'avoir l'odeur. Parce que tu sais, quand t'es un peu avec le nez bouché, c'est compliqué. Bon, moi, je fais pas ce jeu. Bisous, Sandrine et Inoxa. Prochain, les gars. Bizarre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Allez, bye. Allez. Il y en a 8, hein, c'est sûr et certain. Là, il y a de l'œuf. Hein. Il y a de l'œuf, sûrement. Un œuf qu'il faut pas trop manger, je pense. Oh, encore mets, là, là. Tu mets vraiment le nez. Mais bon, elle met toute la tête dans la boîte, comment elle fait? C'est incroyable, cette truc. Tous être enrhumé. Non, mais elle reste du même côté de la table, en plus, comment elle fait? Oui, elle a un corps qui s'avance. Mais... c'est incroyable. Elle peut faire toutes les lignes de ce côté-là. Tu peux, nous, on fait le tour. Nous, on doit faire le tour. Et encore, c'est galère. T'as un corps qui s'avance. Bah, je suis plus grande que toi. C'est pas faux. Bah, attention. C'est pas faux, mais calme-toi. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Attention. Et ben, en fait, je pense que le parfum, il s'est complètement évaporé. Est-ce que vous pouvez en remettre un peu et que je recommence depuis zéro? Tu veux? Non, mais... Tu veux? On c'est lui possible, donne une autre chance. Il s'est évaporé quand tu l'as reniflé tout à l'heure. Mais c'était pour être c'est sûr à ce moment-là qu'il s'est évaporé le parfum. Mais je suis malade de cueillir. Voilà. Tiens, Loni, t'en prends en même temps. Hein, cadeau, hein, voilà. Mais je suis guérie, hein, mais juste j'ai encore le nez un peu. C'est ton parfum en fait. C'est pas. Oui. Non, bah écoute, on avait plus de budget pour le parfum, d'accord? On a tout foutu dans les Pères Noël et les cadeaux. Je juge pas. Moi je sens bon, mais on n'a pas tous les mêmes problèmes, tu vois. Ah, c'est un peu dur, frère. Tu vois, je te dis. Oui. Oui. Je viens de me foutre là, moi. Non, vas-y, vas-y. Non, mais attends, ils ont pas lancé le chrono. Allez, sors tes boîtes de merde là et puis qu'on en finisse. Ah ouais, le budget du Père Noël il a sauté. Ouais, bah, ouais, t'as vu, même plus. Allez, ça. Oh là, on pourra pas le ramener celui-là. Il est pété en plus. Allez, 30 secondes. Allez, vas-y, on y va. Oh, l'esprit de Noël. T'as du coup fait le tour maintenant. Ouais. Ok, super. Okay. Allez. Parfait. À nous, Sandrine. Allez, Sandrine. Merci. Et on finit par Inox. Ça, c'est beau parce que comme ça, on est sûr de lui filer des microbes. Ah oui, c'est sûr, là. Lui, on est sûr, son Noël, clair, on le nique. Là, c'est, t'es mort, ton Noël est vidé. Allez, c'est parti, 30 secondes. Ouais. Ça y ressemble. Okay. Alors voilà. Super. Allez. Inox, la dernière. Okay. Inox, c'est pour toi la dernière. Mais les gars, franchement, c'est pas ouf. Les mamans, ça compte pas. Elles ont un nez surpuissant, frère. Attends. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ça? Ouais, j'aimerais bien que tu développes. Développe la théorie. Ça veut dire quoi, soir, ça là, j'aime, il est parti, je m'assois avec toi. Genre, je cherche un vêtement, je le trouve pas. Ma mère est dans ma chambre. C'est ça. Là. Ouais, ça c'est un problème, frérot, hein, pour toi. Hein. Mais ça, c'est pas forcément toutes les mamans, c'est ta maman. Et c'est enfin, dirais, toi c'est particulier, je pense. C'est ton odeur, peut-être, je sais pas. Oh, qu'est-ce que j'ai balancé. Ah, ouais, Inox, c'est pas censé sentir. Ouais, Inox, c'est censé sentir. Allez, 30 secondes, c'est parti. Ouais, allez, frérot, vas-y. C'est pas toujours un problème d'odeur. Hein. Des fois, c'est juste les mecs, vous ouvrez pas les yeux. Hein. Ouais, t'as pas tout à fait tort, d'ailleurs. Très bien. Alors les amis, merci. Vous avez. Attends, sortez-le tous les deux parce que si je suis malade, vous êtes malade avec moi quand même. Oui, t'inquiète, on le fera après l'émission là. C'est promis. Bon les amis, vous avez vos 8 boîtes. On va les ouvrir. Le principe, il est très simple. Dedans, s'il y a un petit mot, d'accord, un petit papier avec un mot, c'est que vous avez la bonne boîte. Le mot, c'est un indice pour trouver. Là, attends, tu vas éclater. J'ai pas fini. Pourquoi tu veux casser les trucs? Juste à faire ça. Non, c'est bizarre. Si vous avez le mot. Ah, ensuite, aussi. Il faudra trouver la race de chien, d'accord? Et si vous trouvez la race de chien,
parce que tous les mots, ça fait des petits indices. Vous trouvez tous la race de chien. Oui, c'est 400 kilos en plus. Oh. Attends, là, on ouvre. C'est 300 alors... par bonne boîte. Valérie, bonne boîte. Ouais. Bravo. Ouais. 300 kilos. Ouais. Hop là. Oh. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Attendez, on compte juste au moins les bonnes boîtes déjà. Oh, toi aussi. Ouais, Loni, bravo. Ouais, armée. Armée, beige. JM, une bonne boîte aussi. 900 kilos. Svetlana, 1200 kilos. Vaille, bien joué, ouais. 1500 kilos. Non. Ah bah c'est un malinois. Et là, 1000. T'as quoi, c'est quoi ton mot, Lux? Poil court. 1800 kilos. Et toi, t'as quoi? Et toi, t'as quoi, Pascal? Moi, j'ai pas pif. Oh non. J'ai pas pif. Mais ça sent quoi, ça? Ça sent la vanille. Alors attends, on a ça quoi? Bon, on a. Ça sent mieux que le parfum. Beige. Donne. Et toi, c'est. Moi, toi, t'as pomme. Armée. J'ai pomme. Police. Police. Bah, c'est un berger allemand. C'est un malinois. Beige. Bah, c'est un berger. C'est un berger allemand. C'est un malinois. C'est un malinois. Malinois. C'est malinois. Ouais, mais le malinois, c'est pas un chien de police. Attends. Bah, si, si, si. C'est un chien de vigile. On va envoyer les boîtes qui puent. Arrêtez maintenant, hein. Arrêtez vos conneries un petit peu. Envoyez la pub. Ouais, mais on n'a même pas. Il n'y a pas de budget. Ok. Bah... On n'a rien. Voilà, bon. Et ben alors, en attendant, déjà, ça fait combien de bonnes boîtes? Ça en fait 5, on est d'accord? 6, excuse-moi, Enoch. 6. Il y a 6 bonnes boîtes. 6 fois 3, 18, ça fait une tonne 8, déjà. C'est bon. Bravo. Putain, c'est bon. C'est quoi, toi, court, poil court? Point allez, court. Il faut la race. Bah, malinois. Alors vous dites malinois, malinois. Bah malinois, malinois, hein. Allez. Vrai. Let's go. C'est le public qui décide. Non, je demandais une approbation. C'est ça. Malinois, bien sûr, de Lousse, bravo. C'est ça. Bien joué. Elle est belle. 2 tonnes 2, les amis. Bravo. 2 tonnes 2 en plus. 2 tonnes 2 en plus, explique-nous bon. Juste alors un peu comment on fonctionne, parce que vous avez pu un peu vous plonger dans la tête d'un chien, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais pourquoi un chien y arrive très facilement et nous, un peu moins? Alors, grosso modo, d'accord, le chien a 200 millions de récepteurs olfactifs. L'humain en a 5 millions. Rome en a 12-13 millions. C'est la taille de nez. Merci à mon père. C'est la diff. Bah, bien sûr. Voilà, exactement, il bien faut sûr. Rendre hommage. Mais il n'y a pas que ça, ce serait un peu trop simpliste de dire ça. Le chien est capable de discriminer les odeurs. En gros, il est capable de prendre une odeur, une deuxième, une troisième, une quatrième, il les met tous dans son pif, et il est capable de vous dire qu'il y a 4 odeurs. Nous, on n'en est pas capable, on se perd quand on fait ça. Comment il fait? Il a des trous qui lui permettent de respirer, et d'autres qui lui permettent d'analyser, contrairement à nous. C'est une machine. Et aujourd'hui, il n'y a aucune machine existante qui est capable de rivaliser avec le chien et avec l'odorat du chien. Donc là, typiquement, s'ils avaient voulu s'en sortir, ils auraient dû renifler un peu de café entre chaque boîte pour faire un reset sur le nez. Et il est capable de reconnaître... Vas-y, explique lui, il n'a pas compris. T'as dit quoi? J'ai pas compris le truc du café. Il a dit le chien doit sentir le café. Non, il se fait un café. Il boit un café. Un cappuccino. Le matin, ouais, un petit ristretto, c'est bon, tu vois. Voilà, après, en c'est... gros, quand tu renifles quelque chose, si tu veux faire... Le micro. On n'entend plus. Le micro. Comme à l'époque. Comme, super. Comme à, allez, un Jodassin. Allez. Comme un Jodassin, tu vois. On entend mieux là, ça va ouais. Super. En plus des croquettes, mais le micro. Putain. Donc en gros, pour arriver à faire un reset sur l'odeur que t'as récupéré avant. Reset, tu sais ce que ça veut dire ou putain. Pas ah ouais. Oh ouais, mais non, mais les gars. Hé, hey, y'a si, un timing à un moment, les gars. On peut... Là, si on prend tout en compte aussi. Dès que tu prends une odeur, même tu renifles une odeur, du parfum par exemple. Tu veux renifler un autre parfum, d'accord? Tu veux savoir s'il sent bon. Eh bien, entre les deux, un petit coup de café. Tu renifles du café, tu le mets pas dans tes narines, hein. Et tu peux passer à l'autre odeur. Tu vois le truc? Je vois. Eh ben très bien, eh ben en attendant les amis, on en est à 4 tonnes ce soir. Bravo. 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 Bien 4 tonnes. 4 tonnes les amis, laissez-moi un peu parler d'autres actualités aussi, votre promo. Oui, pendant que on change. Ah le mien aussi? Oui, je t'entends pas. Ah, les amis. Non bah attends, j'en ai un là. Jean-Pierre Foucault. Bonsoir.
Bon. Ouais, bon, nul. J'ai essayé de c'est le tenir et. C'est... Bonsoir. C'est votre dernier. T'as même Svetlana à la dernière. Oh, c'est incroyable. Oh là. Oh, quelle voix. Qui me parle. Bon. Les amis, qu'est-ce qu'on disait ? Ouais, laissez-moi parler d'autres actualités un peu. Valérie, tu seras en spectacle dans Valérie Damido s'expose. Ton spectacle qui est en tournée actuellement et qui arrivera à Paris prochainement. Qu'est-ce qu'on raconte dans... On raconte, évidemment, on parle de déco, j'imagine. On parle de déco. Mais on parle de ta vie aussi. On parle de ma vie, j'imite Pascal le grand frère dedans. T'imites Pascal dedans ? Ouais. Vas-y, fais-le. Ouais. Vas-y, fais-le, ouais. Franchement, oui. Ah oui. Allez. Ah oui. Tu nous le fais là. Tu nous le fais en direct. Écoute. Ah mais oui. Non, je l'imite parce que je dis qu'il y a un môme à qui j'ai fait une chambre jungle. Ouais. Et que putain, la chambre jungle, elle était tellement réussie que le môme veut plus aller à l'école. Donc les parents sont en panique, ils m'appellent et moi, évidemment, j'appelle le spécialiste. J'appelle Pascal le grand frère. Oh putain. Hey, où ce petit con là, tu veux plus aller à l'école? Oh putain, il est où ce petit con qui veut aller à l'école? Calme-toi Pascal, c'est un enfant. Il a 8 ans. Que 8 ans? Et reste ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas finir dans la rue comme un clochard. Tu veux casser des briques? Bravo. Eh ben en tout cas on va pas se mentir, après 15 ans de carrière c'est beau de... Il ne restera que ça, eh ben, c'est magnifique. C'est ça. Ça vaut le coup de se casser le cul. C'est génial. Moi tu sais, il y a un épisode, je me souviens d'un qui m'avait marqué, mais j'avais trouvé ça incroyable, le gars il dormait, le petit. Ouais. Putain, ah le retournement de lit. Génial. Ah bah c'est ça, c'est un mythique. Classique. C'est un classico. Le... Blam. Je peux le faire avec la table si tu veux. C'est... Ouais, on peut le faire en direct. Non, parce qu'il y a toutes les odeurs. Bah, dedans, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux le faire avec la chaise d'Inoxtal? Non. Ah oui. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Quel plaisir. Pas tout de suite. Et puis, et Sandrine aussi, Sandrine en spectacle, Sandrine Alexis flingue l'actu. Alors, faut oui, que je vous dise que c'est un spectacle d'imitation. Puis là, je vous dis ça avec la voix de Céline Dion parce qu'elle est dans le spectacle, ça c'est sûr. Et wow, je suis bien contente. Wow. Puis on parle de plein de choses. Qui y a d'autre dans le spectacle? Ah, moi, chérie, la Christina, ça te souvient. Ah là là, j'adore les animaux, moi, chérie. On va faire des animaux. Eh, mais tu fais trop bien. Comment c'est ça fait? C'est son métier. C'est son métier. C'est quoi les gars? Incroyable. Un peu plus. Dis donc, s'il a dit. T'es un génie. Putain, tu fais trop t'es bien. Un génie. Ah, mais elle a trop bien fait, là. C'est ça. Ouais. Hey, tu devrais être imitatrice, Sandrine, hein, parce que vraiment, c'est... T'as un petit truc à faire dans ce métier, hein. Non, vraiment, t'as un truc, hein. Une troisième personne qu'on voit, évidemment, dans le spectacle. Eh, Chantal Latsou, bien sûr. Très contente d'être avec vous, hein. C'est formidable, cette soirée. Y a c'est pas... toi qu'elle imite. Et où sont les animaux? Me casse. Cassez-vous. Parlez-vous, ça va mal terminer. Ça va, non. Vas-y Pascal. Ça là, j'ai pas eu. Vas-y Pascal. Viens ici. Ça c'est pas vrai. L'espèce de t'excuses. Oublie pas, tu t'excuses. Excuse-toi, Chantal Latsou. Tu t'excuses ou tu t'excuses. C'est bon, j'arrête. Ah, je peux plus. Excusez-moi. Chantal Latsou. C'est ça, bien. Chantal Latsou, moi. Je me casse. Désolé. Non, Valérie, pas. Reviens, Valérie, reviens. Valérie. Je vous aime tous. Bon, Sandrine et Alexis, en tout cas, flingue l'actu retournée dans toute la France. C'est l'heure de passer au prochain jeu juste avant. Merci Svetlana d'avoir été avec nous. Hop, merci beaucoup, bravo. Et je vous rappelle, ce soir, 11 tonnes de croquettes, les amis. 11 tonnes, grâce à notre partenaire Zoomalia, qui offre ces 11 tonnes. Et d'ailleurs, en parlant de partenaire Zoomalia, salut vous, ça va wow. Ça va, ils sont bons ceux-là. Hey, une belle coupe de cheveux, toi. T'as laissé le coiffeur, toi. Benzema, c'est le même. C'est le même. Que qui? Que Karim Benzema. Que Karim Benzema. C'est le même. José. Ouais. Mais José, sans les buts. José, tu peux revenir. Non, mais oui. José, vas-y, José. José. Ben c'est vrai, 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 c'est pas mal. Non mais c'est vrai. Attends, c'est bouge José, pas, attends. Ah bah, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais. Vas-y. Penalty. Vas-y. Là-haut, là-haut, là-haut. Oh, elle a cru. Oh putain, il a piqué la caméra, le con. Oh. Ah. Non mais ça jouait pas hein, les gars, ramenez-moi la boule, hein. Ça va. Allez hop. Bon les amis, attends. On parlait de notre partenaire Zoomalia, merci d'accueillir Aurore. Aurore, où es-tu, Aurore de Zoomalia? Viens vers nous.
va ? Viens, viens vers nous, viens ici. Aurore de Zomalia, c'est entre autres grâce à cette personne. Merci Benzé, merci. Merci beaucoup, merci. C'est entre autres grâce à cette personne qu'on a 11 tonnes ce soir de croquettes et grâce à Zomalia. Merci beaucoup, Aurore. Merci. Merci. Merci à vous, c'est grâce à eux. Deux secondes. Pourquoi c'est important pour Zomalia de donner comme ça ? Je sais que vous le faites régulièrement aussi, mais là, c'est beaucoup quand même ce soir. On avait envie, c'est Noël. C'est vrai. C'est dans notre programme, Zomalia. C'est une commande égale un repas. Oui. C'est le partage. Chaque commande, c'est-à-dire chaque personne qui commande sur Zomalia, il y a un repas dans les refuges. Oui. OK. Depuis 2021, on a distribué 2,5 millions à peu près de repas. Oh. Bravo. C'est bien. C'est bien. Hein. Super. On essaye. À notre niveau, de faire ce qu'on peut. Ben c'est déjà beaucoup. Et 11 tonnes ce soir, c'est quand même énorme. 11 tonnes qui vont être réparties pour plusieurs refuges. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Et les refuges se mettent en bas de votre écran. Comme ça, vous pouvez tous les voir. Et tous ces refuges... C'est écrit où ? T'en peux rien faire avec faites eux. Faites un effort, putain. T'as fait un effort, les gars, bordel. Vous le savez que... là, il n'y a pas d'écran. vous voyez ? Là, il y a un écran, là. Oh, putain, c'est vrai. En plus, ils ont raison. Donc en tout cas, Zomalia, 11 tonnes ce soir. Ouais. Et il n'y a pas un peu à... Enfin, je veux... enfin, attendez deux secondes, excusez-moi. Il n'y a pas... Non, on peut en bas. Ouais. On peut rajouter un peu... Je sais pas, ce que t'as sous le manteau. T'as une camionnette que là. On peut pas rajouter... Si, une tonne. On rajoute une tonne. Non. 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 Attends. Une tonne. Eh non, mais... Et puis... Si ils font moi franchement une tonne c'est pas assez, une tonne non. Je m'en vais. On est d'accord. Une tonne tu t'en vas ? Ouais. J'aime. Ah. Une tonne je pars avec Pascal. Voilà. Tu pars aussi ? Ah ouais. Voilà. 10 tonnes, tout le monde se lève. Non, on se bat. 10 tonnes ou rien. Combien ? 10 tonnes ou rien frérot. Ah bah 10 tonnes, vous savez ce que c'est 10 tonnes. J'ai déjà 11. Ah, c'est déjà 11. Bien 11. Attends, est-ce que tu me promets que si tout le monde fait le bruit et faites pas les crevards. Hurle pour Zomalia, tu nous donnes le max. Tu promets ? Eh oui. 13, c'est un bon chiffre, 13. 13 ? Un petit 15. Non, faites le bruit pour Zomalia ! 15. Allez, on pousse un peu. 15. On est en train d'en mettre en galère. Allez, 15. Regarde. Et si Karim Benzema enlève son t-shirt, si Karim Benzema il enlève son t-shirt et il te fait un peu de chute défilé, tu mets combien? Ah ouais. C'est pas le vrai Valérie, c'est pas le vrai. 15, regarde. Ah, t'es toi. On a coupé la poire à 15 là, regarde, tous ensemble. 15 et une offerte, 15 et une offerte. Allez, voilà. Allez, si Inox aide mon fils à Minecraft. Si Inox aide... Ah ouais, t'es venu la dealer des trucs, toi. Ah. C'est quoi? Tu veux aider ton fils à jouer à Minecraft? Ouais. Tu donnes un petit conseil à son fils en privé. Ok, ça marche. Et tu donnes 15 ? 15 tonnes. Attends. Moi, je range sa chambre et tu donnes. Est-ce qu'on peut dire 15 tonnes ? Il range déjà la chambre. Et Valérie, elle refait sa chambre. Et Loli, sa mère, elle vient de nous sentir, lui dire où sont ses affaires. Ça, c'est moi. Ah, d'accord. 15 tonnes ? J'adorerais voir ta mère. 15 tonnes ce soir. C'est signé 15 ? 15 tonnes ce soir ! C'est grâce à tous nos clients. Non, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à nous. Parce qu'on t'a gratté, c'est tout. On t'a gratté. Parce et que vous êtes blindés chez Zomalia. Bon, allez, on rajoute encore. 15 tonnes. Merci beaucoup. Merci Aurore. Merci beaucoup Aurore. 15 tonnes. Ah oui. Bon, c'est une bonne négo. Kingston, on a bien joué. Il faut toujours être avec nous quand on est go, les amis. On est pas bien mal, Kingston. On les a pas gagnés encore. Bon, là, on a perdu un partenaire, par contre, je vous le dis. Oui, clairement. Mais plus jamais ils refont un truc, hein, parce qu'ils savent qu'à chaque fois, on les éponge. Donc. Bon, en tout cas, on a Kingston, là, on a 4 tonnes de gagnés. On va jouer au mot dog. Ah, vraiment, on n'en a plus rien à foutre. Hein. Allez, on a aucun effort. Choisissons un spectateur, c'est parti. La garde pas là-haut. Mais non. Il y en a, ils évitent juste le ballon. Allez, viens avec nous, viens. Faites du bruit pour lui. C'est pas vrai.
Oh putain, mais c'est pas vrai, j'ai même pas connu. Casse-toi. Non, 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 pas toi. Allez, casse-toi. Oh putain, c'est pas vrai. Et c'est incroyable, on va vous raconter. Ta forme. Il s'appelle Cameron, faites du bruit pour lui. Tiens. Tiens, poteau, tiens. Cameron, il faut vous le dire, Cameron, il est là à chaque fois qu'on fait un truc. Et franchement, merci mon pote d'être là tout le temps. T'étais là sur la tournée Esprit Dog Solidarité, t'étais là Esprit Dog Show. Comme nous, ouais. Mais Cameron, il est là vraiment tout le temps, il est là dans la gueule aussi des fois. Il passe, et dès qu'il peut nous gratter un truc, lui aussi il est là. Par contre, c'est un gratteur, hein, faut le savoir. C'est le seul mec qui est payé qui vient, c'est ça. Exactement. On va commencer avec Loni et Sandrine. Allez, venez. Voilà. Ça va être quelque chose. Oh l'enfer. Vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins de me mettre en premier. Mets-nous bien. Sandrine, mets-toi là. Mets-nous bien. Alors. Les amis, écoutez-moi bien. C'est simple. Voilà. Sandrine, tu dois faire deviner le maximum de mots à Loni. D'accord. Okay. Les mots qui sont sur chaque petite feuille. Ouais. Dessus, il y a 5 mots interdits. Tu n'as pas le droit de les dire. Chaque mot deviné, c'est 100 kilos de croquettes. Allez, c'est parti. Alors. Une minute. Par des phrases, hein, j'ai des phrases. Ah, tu veux tout ce que tu veux. Ok. Un animal, tu le devines par... C'est un chien, j'imagine. Oui, mais de quel... ce qui représente son origine. Passe. Tu peux passer, hein. Oui. Ok. Nous, on est... quand on est des enfants, des parents, on est une... Une famille. Ok. Attends, stop. Ah, c'est pas vrai. Top. Elle fait deviner les mots qu'il faut pas dire. Exactement, frérot. Exactement. Oh non. J'en peux plus. J'ai compris. Je vais monter. Mais non. Je vais me casser. Ah, c'était la race avant. Attends, Sandrine. Il faut qu'on se parle. Dis-moi. Venez, on fait un petit regroupement. Non, en fait, regarde, parce que sur les cartes. Attends. Sur les cartes. Il n'y a que des trucs interdits. Et, bah, en fait, parce que le mot, c'est labrador que tu dois faire devenir. Tu ne peux devenir que la race du chien, que le chien, en fait. Non, je veux que tu fasses deviner le mot qui est en bleu et les mots en rouge, c'est-à-dire race, et famille, tu dois beige, gourmand et de platine. Regarde. Ouais. Non, mais t'es cher, allez, défoué. Mais qu'est-ce que tu fais? Interdit. C'est bon? Donc, je fais deviner ça et ça, non. Okay. Et ça, tu n'as pas le droit de le dire. D'accord, donc ça, on s'en fout, en fait. Bah, on s'en fout, oui, non, t'as pas le droit de dire les mots. Bah, je dis pas. D'accord. Allez, allons-y. Bon, alors, on y va. Une minute, allez, on repart. Allez. Alors, un chien, son plat préféré, c'est bien sûr grignoter des... Croquettes ? Non, c'est dur, on en a sur nous. L'œuf ? Voilà. Allez, Je change. On continue. Je prends un autre. Allez, hop. Voilà. Et il faut aller vite quand même. Dans Astérix et Obélix, ils ont un chien. Il y a marqué Astérix et Obélix. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Ça y est. Ok, j'ai pigé. Je dois pas utiliser ces mots-là, d'accord, ok. Mais pitié ! Mais le compteur ! Le compteur ! Moi, j'ai dit. vous pouvez couper le compteur en mode on joue comme on veut. J'ai envie de faire. Oui. 100 kilos de croquettes. Ah, ok, ça va être. Allez, on y va. Attention, le troisième. Ah, c'est reparti, reste 30 secondes. Hein. C'est un chien vraiment miniature. Chihuahua. C'est ça. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, okay. Ouais, c'est bon. Ok, je crois que dans le film The Artist, c'est le compagnon de Jean Dujardin. C'est un Jack Russell. Ouais. Et bon, voilà. C'est allez. Tout. Bah oui, ah c'est non, tout. Je suis lancé maintenant. Bah oui, maintenant oui. Bon bah ça fait 300 kilos. Ah, mais il faut que j'avoue une chose, j'ai jamais trop joué à ça avec mes enfants. Donc toi t'as dit tout le monde joue à ça, tout le monde connaît. Oui, c'est vrai. Eh bien moi non. Excuse-moi. Voilà. Sandrine, ça ne se reproduira plus. J'espère. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie. Allez, 300 kilos quand même. Allez, ça s'applaudit. Bravo. Inox Tag et Pascal. Oh, allez, venez. Oh putain. Qui veut faire deviner? Moi, je vais deviner. Moi. Ouais. Ça va mal finir. Ça va bien se passer. Il y a une table entre nous deux. Ça va bien se passer. Ok, Tony, pas tu bon, surveilles qu'ils disent pas les mots, s'il te plaît. Allez, ça fait une minute. Une minute, c'est pas parti. Bon, faut aller vite, hein, les gars. Une minute. Allez, Allez 100 kilos par mot trouvé. C'est parti, Inox. Ok, quand t'apprends des trucs à ton chien, t'apprends assis. Des ordres. Non, assis, il y a assis debout, couché. Non, l'autre. Celui où il n'y a pas de mouvement. Pas bouger. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Il choisit. Il y a le mollusque là, dans une coquille. Il y a une race de chien. C'est... Elle a dit, c'est bon. C'était quoi? Il y a une Saint race Bernard, de chien. Il y a une race de chien des pays asiatiques. Chihuahua. Non. Asiatique.
C'est à nous, il faut dire à nous. Akita, Akita, c'est ça. Akita, c'est ça. C'est ça. Ok, quand tu promènes ton chien, tu promènes non. On laisse. Voilà. Non. C'est quoi les chiens que lui il a dit que c'est pas des chiens méchants mais tout le monde pense que c'est des chiens méchants? Les pitbulls. Non, un autre. Les malinois. Non, le pire. Le rottweiler. Voilà. Ouais. Putain. Allez. Hey, y a quel chien qui est dans un dessin animé? Le plus connu, le chien le plus connu. Belle à la bête. Dans Belle à la bête c'est. Non, celui que. Wouh. Rock c'est Rocky. Scooby-Doo. Scooby-Doo. C'est ça. Scooby-Doo. Trop tard. Non, trop tard. Bon, ouais, trop tard mais pas mal quand même. Quand même, les amis. Bien ça mon frérot. Bien ça. 4, 5. Quel carnage. 5. Et ben ça fait 500 kilos hein. Hey. En plus, ce qui nous fait 800. Allez, continuons de jouer JM et Vaille, on y va. Allez. Allez hein. Allez. Allez, Vaille Malama. Vaille Malama, tu veux jouer tu veux... Mais ouais, mais j'aime bien mixer. D'accord. Les deux. Allez, je vais te faire je trouve Vaille c'est cool et Vaille Malama ça ça bon, tu veux rien à foutre de ce que je raconte. Très Allez. Bien, merci. Je suis pas sûr d'être. Ouais, ça me fait plaisir. De toute façon, moi depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, j'aurais dû avoir Pascal le grand frère qui est dessus. Tu peux jouer? Pardon. Oui, avec plaisir. Tu veux quoi? Faire deviner ou non pas un Morito. C'est vrai faire que deviner. Sunday ça compte pas. Un Sunday ça compte pas. D'accord. Bon bah faire deviner. Ouais. Alors allons-y une minute. Okay, c'est parti les amis. Attends parce que je veux avoir son consentement d'abord. Attends. Attends. Ouais. Je veux qu'il soit sûr de lui. Je suis pas sûr du tout mais non. Vas-y. Bah, est-ce que tu me permets de le faire? Vas-y allez. Ok vas-y. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et tu me dis s'il faut qu'il fasse une lettre écrite. Incroyable. J'ai mon tuteur légal à côté. C'est Pascal. Tu donnes l'autorisation en ce moment. Vas-y. Voilà merci. Tony tu vérifies. Hein, tu fais attention ouais, que ça pas, triche pas, hein, s'il pas, te plaît. Hein. Allez, tricher. C'est parti, une minute. Ok, on peut passer. Hein. La grande muraille de corail. Quoi? La grande muraille de corail. De la grande. La barrière de corail. Ouais. C'est où? C'est en Australie. Oui, donc c'est un. En Australie. Berge australien. Oui. Allez. Le deuxième, le top 2 de cadeaux qu'on fait à Noël pour un chien. On avait dit que c'était un jouet. C'est l'an où il fait dodo. Ah, le panier, le panier. Oui. C'est un chien. Tu connais la et le clochard. La belle et le clochard. Ah, ok, c'est bon. Il n'y avait pas de clochard dedans. Si, si, regarde. Bah, quand tu veux, tu veux. Attends, bah, tu veux me laisser deux secondes. Ah, mais j'avais pas lu. Ah, bah, mais merde. C'est le but du jeu. Donc, la et la bête alors. Ok, bah mince, il y a la bête. Alors, c'est un petit roux. Un petit quoi? Il n'y a pas roux. Roux. Un petit roux. Un cocker. Boule, bill. Boule. Okay. Oui, bravo. Bien joué. C'est joué. Le chien. Le petit blanc dans une BD que tout le monde regarde. Il est fixe, il est fixe. Milou. Non, il y a écrit bande dessinée, pas BD, ok? Ah bon, d'accord. Milou, il est fixe. Son maître, il est sur la Milou. Ça fait un quart d'heure, je lui dis Milou. C'est comme New York, mais il y a pas. C'est comme New York? Bah, Yorkshire. Ah oui, d'accord. Wow. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Pas mal, regarde. 400 kilos. 400 kilos en plus, les amis. C'est bien joué. Applaudissez-les, bravo. Lonnie et Valérie, à nous. Allez, applaudissez Lonnie et Valérie, on y va. C'est à nous. Ah non, Lonnie, t'as déjà joué? Non, j'ai pas joué. Ah si, t'as joué, si. Mais là, deviner. Mais on s'en rappelle pas, c'est un signe. Non, c'est je fais deviner. Excuse-moi, bah, alors attends, on y va comme ça et après on joue avec Cameron. Bah oui, c'est l'invité, mais vas-y, j'en rajoute une, c'est pas grave. Est-ce que t'es prête? C'est ouais, ça qui fait deviner. Allez, on y va, vas-y Valérie. Allez, c'est comme New York, c'est un chien de vieille. Yorkshire. Ouais. On va le faire, non mais. C'est le gros chien. Énorme dans un film, il fait que des conneries. C'est un nom de musicien. Attends, et dans un film, c'est interdit ça hein. J'ai pas dit dans un film, hein. Alors n'importe quoi. T'as quand même un peu dit dans un film. Je crois. Hein. C'est ce qu'on met aux chiens pour les promener. La laisse. Non, autre chose. Le collier. Non, le nouveau truc que tous les chiens. Le chien que j'ai étranglé. Non, non, ils sont sur le corps. Tu la fermes. Putain. Comme les chiens de traîneau. Arnaud. C'est un chien que moi j'ai dit que c'était méchant, c'est les chiens de Magnum. Les chiens de Magnum là. Et c'est un truc qui se mange super bon avec comme il y a un chien, on l'appelle comme ça aussi. Je vois rien, moi j'accède à rien. Voilà. Putain, je savais. C'est super bon. C'est un truc spécial pour que les chiens ils avancent pas, ça leur fait super mal. Le chien étrangleur. Le chien étrangleur. Le chien étrangleur, il a dit. Le chien étrangleur, le bâtard. Le collier étrangleur, bravo. Pas du tout. Quoi? Bah si, il a dit le collier de chien. Le chien étrangleur, il est ouais, c'est bon, ça c'est passe. C'est le truc dans lequel le chien il fini la minute, hein. Le bol. La gamelle.
Allez, ça fait une minute. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oh, c'est bon. C'est un rappeur super. Snoop Dogg. Oh oh, oh là là, je sais pas combien oh vous en avez, vous en avez beaucoup. Bravo. Oh là là. Bravo. Attends, c'est pas, attends, c'est pas les bonnes. Oh l'enfer. Oh le délire. Oh putain, j'ai l'impression que le jeu il a commencé hier matin. Oui. Bon, on a gagné combien là? Vas-y. Ouais, attends, désolé, laisse-moi prendre mon souffle là, la vérité là. Come on. Ouf. Allez, viens jouer avec nous. Avec qui tu veux jouer, Cameron? C'est toi qui choisis. Le choix est déjà fait. Tu veux faire deviner ou c'est lui qui fait deviner? Je veux pour faire deviner ou pas? Ouais. Les amis. Ne bloque pas, hein. Alors. Mais qui est con, lui? Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Ah, qui est fort, bravo. Ok. C'est parti. C'est parti. Tu connais Mickey, tu regardes Mickey, son chien, son pote là. Pluto. Ouais. Non, mais t'es fou. Non, les gars, oh, les gars, stop. Mais t'es fou. Non, mais... Ah merde. Bah oui, j'ai bah pas oui, vu. Merde. Bah t'es pas vu, bah oui. Attends, ouais, viens, on recommence. Tu peux changer par hasard au cas où. Tu veux changer? Tu veux changer? Tu peux, hein. Attends. Allez, ouais. Allons-y. Concentre-toi. Ok, ok. Ok. Il y a un chanteur qui porte le nom de ce chien. Snoop Dogg. C'est pas lui. Et il chante d'électro façon genre. Bilboul. Oui. Non, non, elle a mis du Pitbull. Non, non, il a dit ça. On va avoir un procès avec le gars. Arrête de pousser sur le temps. Alors, la bête danse avec... La belle. Oui. Belle, oui, c'était belle. C'est un giga truc qui fait mal au cou. Collier étrangleur. Ça porte un autre nom. Collier électrique. Non. En fait, t'as vu le... Ouais, je passe. Oh. Ouais, non, en gros, c'est... Ça y est, il doit rien faire. Ça y est, c'est là, le chien, regarde, c'est un nom que tu donnes au chien, mais il fait rien. Genre, il doit pas. Non, c'est un autre truc. Ouais. Personne peut trouver ce qu'il raconte. Non, t'inquiète pas, là même moi je l'ai pas là. T'en alors, c'est nous qui les jouons. Ouais, ouais. C'est un dessin animé que tout le monde connaît et c'est un chien qui parle. Scooby-Doo. Oui. Il sort tout seul. Quand tu donnes un ordre à ton chien pour qu'il se mette. Assis, couché. Non, l'autre. Couché. Donne la patte. Non. Ta place. Au pied. Couché. Oui, c'est bon, c'est ça. Oh putain. Ah, trop frère. Bravo, hey. Allez, on fait les comptes, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 2 top 3, les amis! Ah, c'est beau! C'est beau! On va devoir la gratter, hein, je crois. Hein. 2 tonnes 3, bravo, les amis. Et franchement, là, on en est à combien? On est à 6 tonnes 3, du coup. 6 tonnes 3, et sachant que maintenant, on a 15 tonnes. Affilé. Donc on peut y aller. Donc là on peut bombarder, hein, autant vous le dire. Vous mettre 2 minutes. Hein. Comment? Vous pouvez mettre 2 minutes alors. On peut. Eh, excuse-moi. On l'a dit, on peut y aller, on peut y aller jusqu'au bout alors. Les gens qui ont le nez bouché déjà, de base, ils devraient même pas être sur ce plateau. Mais il y a plein d'autres jeux, les amis, on va s'amuser encore, mais j'aimerais qu'on remercie Cameron qui est venu jouer avec nous. Merci mon pote. Merci beaucoup. Ah là 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 là, dites donc, où est-ce qu'on en est? Mais je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en est parce qu'on a foutu le bordel là-dedans. Ah oui, c'est l'heure de jouer. Ah, c'est l'heure, bien de toute sûr, façon, c'est, hein. C'est l'heure de sélectionner quelqu'un. Allez, allez, c'est parti. Applaudissez-la. Comment tu t'appelles? Marina, bienvenue. Je vais juste vérifier. Non, bah oui, on peut faire ça aussi. C'est bon, hop. Marina, eh ben, assis-toi avec nos invités, s'il te plaît. Bienvenue, Marina. Oh, la vache, on va jouer au Bomb Dog. Génial.
qu'est-ce que c'est que le bomb dog? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce à part un nom de jeu de merde, c'est très simple. Vous connaissez le jeu de la bombe? La bombe, tu sais, on se passe. Normalement, il y a un ballon, il y a un chrono. C'est un peu le même genre que ça, absolument, tout à fait. Non, et ben pour commencer, c'est Pascal et Sandrine qui vont venir jouer avec nous. Attends, mais elle a pas compris. La bombe, je te la fais dans la piscine, ok. Non, c'est toi la bombe. Oh. Wow. Ah. Quoi? Pourquoi celui-là? Non mais la bombe comme ça quoi, je plave quoi. Non, c'est pas ça. Non mais là, vas-y explique, qu'est-ce que c'est la bombe? Viens, je vais t'expliquer comme ça, je vous explique. Applaudissez, allez, on va jouer à la bombe. Regarde, ça commence avec vous deux. Mettez-vous les l'un face à l'autre. T'as vu, j'ai enlevé la table. L'un face à l'autre, ok. L'un face à l'autre comme ça. Voilà, hop, on est bien, on est nickel, super, parfait. Je vais vous donner un thème. Je vous donne un thème, ok? D'accord. Je vous donne un thème. Le but du jeu, c'est de me donner le plus de mots en rapport avec ce thème. D'accord. De plus, de quoi? Vas-y. De mots. En rapport avec ce thème. C'est de la même famille. Par exemple, si par exemple, je dis football, tu me dis joueur, ballon, terrain, maillot, hors-jeu. Allez, il n'y aura pas football. Hein. Tu veux jouer à pyramide, quoi, en fait? Non, je crois pas que pyramide, c'était ça. Ah si, c'est ça, pyramide. Pyramide, les synonymes, c'est... Tu te fais deviner. Là, en fait, il ne faut pas deviner. C'est toi qui vas donner. Ouais, mais c'est l'idée, c'est de trouver des synonymes, ça, finalement. Ouais. Allez, vas-y. Il a lâché un. Ouais. Allez. On sait comment ça va finir. Tant pis. On sait. Mais celui sur qui la bombe explose, d'accord, et bah a perdu et donc s'en va et laisse la place à un copain. Ok, tout simplement. Celui qui reste. Donc une victoire, c'est 50 kilos. Mais à chaque victoire consécutive, ça double. Ah. C'est-à-dire que ça fait 100, 200, 400, 800, etc., etc. Si tu peux perdre, tu perds comme ça, je prends plus. Non, on ne triche pas comme ça. Ça suffit. Donnez-moi, s'il vous plaît, en 30 secondes, un truc qu'on ne peut pas offrir à un chien. Un chat. Des bonbons. Attends, chacun son bonbon. Un chat, oui. Des bonbons. Des bonbons, oui. Un os de bas chocolat. Oui. Un autre chien. Un autre chien, on peut pas lui offrir, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Du chocolat noir. Oui. Une télé. Une télé, oui. Bah, non, on peut pas l'offrir à un chien, il a raison. Une trottinette, quoique. Une trottinette. Ah, il y en a qu'un. On pourrait. T'as dit skateboard, mais... On peut. Une voiture, bien sûr. Une voiture, on peut pas lui offrir une voiture. Un maître sympa. Un maître sympa, on peut pas lui offrir, mais on peut lui trouver. On peut lui trouver, mais c'est offrir. Et on peut obliger le maître à être sympa. C'est vrai. Bah, Sandrine, allez. Je sais pas, n'importe où, l'assiette. Ça a explosé. Hein. Ça a explosé. Et ça fait une victoire pour Pascal. Bravo. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Merci Pascal. Allez, JM. Oh là là, avec JM. Ça faisait longtemps. Putain. C'est le but. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse gagner Pascal. C'est le but. J'ai compris, éclaté Pascal. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gars, il a été embrouillé. Donnez-moi les pires surnoms à donner à un chien. Titi. Bobby. Toto. Comment? Toto, ouais, c'est dégueulasse. Chouchou. Loulou. Tigrou. Oui, c'est nul. Mon kiki. Ah, mon kiki, c'est dégueulasse. Mon biki. Avec cet accent, surtout. Évidemment. Ouais. Ma chienne. Ma chérie. Oui. Oh, c'est mignon, ma chérie. Bah, elle vous donne pas ça à un chien, non? Ah bon? Continue pour un chien. Touk touk. Touk touk, oui. Touk touk, c'est dégueulasse comme ça. Ouais, ah non, c'est vrai, on peut pas l'enlever. Touk touk, c'est dégueulasse aussi, c'est vrai. Surnom. Chaton. Boy, c'est pourri. Boy. Ouais, c'est nul. À toi. Poupou. Pascal. Ça fait 100 kilos. Au double. Par contre, je vais pas balancer, mais. Ouais. Prénom dégueulasse. Ah, Pascal. J'ai entendu. Il a dit Pascal. C'est un peu dur. Prénom dégueulasse. Ouais. Tabainox. Allez, viens. Allez, viens jouer. Ça fait 100 kilos. Ok. Inox, il faut laisser gagner Pascal. Hein. Ok, ok. Non, il faut jouer, les amis. Si je perds, je le tape. Oui, absolument, bien sûr. Un truc que tu peux faire avec ton chien, mais pas avec ta meuf parce que c'est bizarre. Déconne pas. Le caresser. Ouais. Tu fais avec ta meuf ça. Attends. Pourquoi quand je t'ai dit déconne pas? Il a perdu. Déconne pas. Attends. Il a perdu. Il a perdu. Mais tu peux le faire avec. Tu peux caresser les deux.
Là, il a perdu. Mais genre, tu peux faire ça? Et oui. Et bah, et c'est bien, non? Avec ta meuf. C'est pas ça, hein, la question. La question, c'est un truc que tu fais avec ton chien, que tu peux faire avec ta meuf, sinon c'est chelou. Genre, promener en laisse, tu vas pas merci. Promener. Merci, j'allais le dire. Merci, merci. J'allais le dire. Ah, on recommence alors. Ok. Ta mère Sandrine, elle avait compris. Non, mais la question, elle était plus dure que les autres, en vrai. C'est vrai, elle était un peu plus dure. Bon, on est reparti. Ok. Un truc que tu peux faire avec ton chien, mais pas avec ta meuf, sinon c'est chelou. Faire l'amour. Ah non. Ah allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est perdu. Allez, non, attends, laisse-moi le changer. Il a dérangé. Il a dérangé. Il a fait le nez. Non, mais tu fais l'amour à ton chien. C'est extraordinaire. Bien, on va faire l'année prochaine. Moi, c'est le seul gars sur la planète qui fait l'amour. C'est le dit, hein. Il le dit. Mais il a pas de problème. Ouais, non. Non, et le pire, c'est qu'il par contre, avec ma meuf, c'est chelou. Avec ma meuf, je donne des ordres. C'est chelou faire l'amour à sa meuf. Cela dit, trop chelou. Ah non. Vous savez. Non, non, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même pas trop de choix. Ouais, l'articulation à l'envers, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, finalement. Ce que tu as cité comme exemple, c'est vrai, mais après... Bon, on donne pas la camelle à ça, moi, j'avais plein de trucs. Bah oui. Bah, il y a tellement de trucs à citer, je comprends pas. Bah, il y avait quoi, par exemple? Hein? Et bah, lui mettre un collier à l'envers. La gamelle à sa mère. La faire bouffer dans une gamelle. Bah oui, ça, c'est bizarre. La faire dormir dans un panier. Un collier à l'envers, tu fais pas un chien, déjà. Il fera pas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. Oh oui, c'est vrai. Il a dit un bon truc. Attendez, arrêtez tout. Stop, attends, il a dit un truc. J'ai quand même dit un truc sensé. Oui, vas-y, redis-le. Mais c'est pour ça qu'on arrête. Collier étrangleur, pas un chien. Oui, voilà, allez, d'accord. Putain, let's go. Alors tiens. Mais tu mets ça à ta meuf. C'est un autre problème, chacun ses délires. En fait, il met le collier à sa nana et il fait l'amour à son chien. Bon, on est à 200 kilos. Oh la vache, c'est assez long, hein, tout ça, cet rayon. Allez, 300 kilos, non? Hein? Pas 300 là? Non, 2 parce qu'on a fait 50, 100 et 200. 200. Ah, mais c'est. Oui. Là, on va jouer pour 400. Tu viens, Vaille? Allez. Ah, bah après, elle ira après. Généralement, comment tu t'appelles? Elle s'appelle pas Vaille. Comment tu t'appelles? Je me souviens plus. Marina. Ouais, j'ai un problème Marina, avec ça. Marina. Nananananananana. Oh, oh. Ah, oui, d'accord. Oh. Ah, j'ai les talents cachés, hein. Je le fais. Pam pam pam. Hey, hey. Oh, oui, Pascalito. Calme-toi. Là, le prénom, ça va pas le faire. Je rajoute 50 kilos quand même, juste pour ça. 100 kilos pour Pascalito. 100 kilos pour Pascalito, ils ont pour moi, d'accord. Non, c'est vrai. Ça nous fait 300. Ouais, allez, on est parti. Donnez-moi un chien connu. Scooby-Doo. Oui. Milou. Milou, oui. Il est fixe. Il est fixe, oui. Bill. Bill. C'est Bill ou Boule? J'ai jamais c'est su, Bill. Mais oui. Mais là, ça marche, ça marche, on prend. Rentre en plein. Oh, oui. J'allais le dire. Allez, t'en Pascal. Le chien de la pub, l'hiver allemand. Rex. Rex, ça marche. Mais Rex, bien sûr. À toi, Maï. Beethoven. Merci. Beethoven, oui. Dans Rock, c'est Rocky. Hein? Oui. Ouais, ça marche. C'est qui? C'est Rocky. C'est Rocky. Rocky. Roxy. Rocky, c'est Rocky Balboa. Ouais, c'est la même chose. Lassie, oui, Lassie, ça marche. Ratata. Oui, Ratata. Hein? Oh, on est là. Il y a ça. Vaille, c'est perdu, mais ça fait 600 kilos. Ah. Bravo. Pardon. Mais en fait, faut le laisser perdre. Non, faut le laisser gagner. Non, faut le laisser gagner, pas perdre. Il vient de dire, faut le laisser perdre. Non, faut le laisser gagner. J'en peux plus. Je viens de comprendre. En fait, il faut exprès le laisser gagner là. Non, je crois pas qu'il faut exprès, malheureusement. Quoi que ce soit la dernière. Attendez, je fais juste une pause. Ah si, hein, pas bouger. Moi, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. C'est bien, gamin. C'est bien. Marina, allez, allez. Applaudissez Marina. Et ça sera la dernière. Attention. Tu veux pas faire rejouer Nox un coup? Non, j'ai un timing à tenir quand même. Écoutez-moi. Un truc que tu peux dire de ton chien, mais pas de tes beaux-parents, Marina. Oh, ah, ok. Facile. C'est moi qui regarde. On les embrasse. Je t'aime. Celle-là, elle est puissante. Ah ouais, je peux pas lutter. Non, normalement, tu t'arrêtes là. Franchement, elle a gagné. C'est dur. Elle a gagné. Oh, c'est ça, dur. C'est très puissant. C'est dur. J'adore. Alors, je dirais l'inverse, je les déteste. Droit dans les yeux à ta belle-mère, tu lui as dit « je t'aime ». À ta belle-mère. Un jour, à toi. À ta belle-mère, t'oserais dire ça? Ma belle-mère. Laquelle? Marina, elle veut se taper. Mais elle me connaît ou quoi? Mais attends, on s'est vu où? Ouais.
Attends. On s'est vu où et quand? C'était quand? C'était avec qui? Dans quel contexte exactement? Bizarre. C'était quoi le délire exactement? Moi, quand je regarde la télé, tu me regardais droit dans les yeux, hein, quand même. Ah, toujours. Ah, toujours. Je regarde dans les yeux encore. Je les connais, ils me regardent droit dans les yeux, je leur parle, toujours. Eh, dis donc. Ils n'ont rien compris au principe de base, en fait, vous devez me comprendre. Non, il croit c'est Tinder le truc. Il arrive là, il va tout pécho. Vas-y, allez, amenez-les. Donc, mon compte, c'est. C'est ça. C'est vrai, c'est fou ça. Marina, on a tous envie de ken, mais pas sur la scène, on se calme. Je veux il a dit tout ça. Arrête, j'ai laissé monsieur à la maison en plus. Arrête, on l'embrasse. Évidemment, on l'embrasse. Tu n'es pas là. T'aurais dû être là. Bon, et ben c'est qui a gagné? Mais du coup, c'est Marina qui a gagné. Mais non, il a dit je les déteste. Oui, moi j'ai dit je les déteste. Il a dit je les déteste. Heureusement que t'es là, bah mais elle a raison Valérie. Ça fait donc une tonne de Hugo. Bravo. Merci Marina. Merci à toi. Applaudissez Marina très fort aussi s'il vous plaît. JM et Pascal, évidemment, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube, évidemment, que beaucoup suivent avec... Pascal et JM, ça s'appelle, hein. Pascal et JM, effectivement, Pascal et JM, tu fais bien de le dire. Combien de millions de vues, là, déjà, en deux ans? 70 millions. 65, 70... 70 millions 70 Je peux pas rajouter une tonne pour ça, hein, je vois bien dire. 70 millions. Bah, je me rends pas compte, moi, je découvre. C'est beaucoup. Moi, je suis un ancien, donc je découvre YouTube. Comment c'est qui a convaincu l'autre En fait, il m'a pranké, ce mec-là. C'est vrai? Il m'a pranké sur énergie, et ensuite, il y a eu le Covid. Ouais. Il y a eu le truc bizarre, on devait plus sortir de chez nous. C'est ça. On voit à peu près. Des autorisations perso pour on sortir. Voit tout je à fait. Enfin bref. Et puis, il m'a pranké sur la chaîne. Et puis, pendant le Covid, donc, du coup, il me dit voilà, je fais des lives si tu veux, tu viens sur le live. Et le défi, c'était si je viens sur ton live, tu zappes tous ceux avec qui tu parles, mais tu me prends moi en priorité. C'était le but. Ok. Et en fait, dès que je le voyais en live, juste pour faire chier, j'allais sur le live. Donc, il était en pleine discussion avec des gens. Il y a Pascal, je te laisse. Voilà, c'est bien, JF, c'est bien. C'est comme ça que je l'ai maté. Et depuis, je le mate, moi. Il le mate, il regarde. Et Pascal, il y a aussi un livre qui arrive. Oui. Parents d'ado de A à Z, c'est un abécédaire, 25 conseils. C'est pour les parents d'ado, justement. C'est pour les ados aussi. Oui, c'est aussi pour les ados. En fait, à partir du moment où vous rencontrez des difficultés avec vos parents et que je ne peux pas être présent chez vous, il y a un bouquin, vous l'ouvrez, et puis on parle de tout, de drogue, de sexe, enfin de tout. Super. Après, je dis drogue et sexe d'ailleurs. Ouais, c'est. Bon, on parle de la chambre aussi. Qui n'est pas Exactement. C'est aux éditions Bussière. Merci en tout cas à vous deux d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter un truc. Bien sûr, Pascal. Parce qu'en fait, je suis aussi parrain d'une association justement par rapport à la SPA. Oui. Qui s'appelle C'est quoi ce cirque? Et le grand parrain, il y a Didier Bourdon et Philippe Lachaud. Putain, ah bah, super. Ça. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc les chiens qui sont à la SPA, bah, si vous pouvez venir. Bien sûr. On s'est aperçu, j'étais sur Marseille il n'y a pas très longtemps. On s'est aperçu que les chiens, en fait, malheureusement, sortaient de leur cage qu'une fois par semaine. Donc, si les bénévoles ne savent pas quoi faire le week-end, allez dans les SPA. Pour si promener les chiens. Voilà, et tous les refuges, de toute façon, ont besoin évidemment d'argent, ça on le dit tout le temps. Les croquettes, on en fait une partie ce soir, mais t'as raison de le rappeler. Mais de temps aussi. Et hein. de temps, et de bénévoles, demain. Et de gens. Et ça, c'est vous, merci. Et même deux heures par jour, c'est vrai, t'as raison. Et merci, on peut applaudir tous les bénévoles quand même, qui travaillent beaucoup. Exactement. Et il y en a ici aussi ce soir, je sais, bravo. Bon. Jouons à un jeu, le jeu des vidéos. Ah, qu'est-ce que c'est que le jeu des vidéos? Je vous le dis direct, ça va se passer sur cet écran. On va vous balancer des vidéos de chiens qu'on a trouvées sur les réseaux. Il y a un arrêt sur image, il faut deviner la suite. Ok. Tout simplement, d'accord. 300 kilos par bonne réponse trouvée. Ok. Vous jouez tous ensemble, on est tous ensemble. Ça marche? Ça marche. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas sur celui-là. Vous le sentez, vous, Léa? Allez. Et bah l'invité, alors. Eh ben, on va faire venir l'invité. Allez, envoie-moi ça. Allez! Oh. Tu vas voir qu'ils vont me faire chier à la mettre en haut! Il va lui falloir un quart d'heure à l'invité pour descendre! Putain! Attention! C'est toi! C'est toi! Absolument! Eh oui! C'est toi avec les cheveux! Allez! Allez, viens! Comment tu t'appelles? Comment? Camille! Camille, bienvenue! Tiens, viens t'asseoir avec nos copains! Merci d'être là, Camille! Camille, t'es venue avec il qui? Il m'a regardé bizarrement, parce que. Vous avez vu? Il y a toujours une petite peur! Il m'a regardé bizarrement, si. Oulala, je. Attends, je vais me mettre loin quand même, je vais me mettre à l'opposé. T'es venue avec qui, Camille? Je suis venue avec ma copine, elle est dans le public. Let's go! Parce qu'elle est là, la copine! Ah ouais? Oui! Allez, je suis venu avec ma meuf, j'en mets d'autres théâtres du gymnase.
Comment elle s'appelle ta copine? Elle s'appelle Zara. Zara? Comme les magasins. Pas de placement de produit dans cette émission, je vous ai promis, bravo, évidemment. Oh. Bon, très bien. Est-ce que t'es prêt? T'es sur les réseaux, Camille, j'imagine? Oui, je suis Inoxtag d'ailleurs. C'est pas vrai. Oh. Hey Inox, là on va compter sur toi aussi hein, parce que là c'est que de la vidéo qui vient de réseau. Regardez bien, un arrêt sur image, vous devinez la suite. C'est 300 kilos, regardez la première. Alors où va ce chien à votre avis? Allez, il n'y a pas de proposition hein. Dans les feuilles mortes hein. Dans les feuilles mortes. Tu l'as vu? Oui. Tu la connais? Oui, dans les feuilles mortes. C'est la suite de la vidéo, c'est quoi? Ah d'accord, ok, bah, il tombe. Il tombe? Non. Dans les feuilles mortes. Mais elle l'a dit, Valérie elle l'a vu. Ah, les regardez ça, il va dans les feuilles mortes, c'est sa passion, regardez. Un truc de ouf. Ah, bravo! Il y a que la queue qui dépasse. Excellent. Regardez la deuxième. Ça fait 300 kilos. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Son maître va prendre un coup de bâton. Il va tuer, il va tuer. Il va tuer qui? Son maître. Son... Non, il va pas tuer. Non, il ne diffuserait pas ça du coup. Non. Non, mais il y a un autre chien qui va lui piquer, non? Non, il n'y a pas d'autre chien. Tu l'as vu, Camille? Non, tu la vois pas celle-là? Tu l'as jamais vu? Bah, il fait mal à son maître avec le gros bâton. Coup de bâton, coup de bâton. Il va lui mettre un coup derrière le genou, il va tomber. Derrière le genou? Ouais. Ah non, le bâton, il va se planter dans le sol et le chien, il va tomber. Non. Non, non. Non, non. Ouais, vous êtes pas loin, mais. Il va se bloquer entre il va faire la majorette avec le bâton. Non. Il met un coup de bâton dans les couilles de son maître. Allez, regarde. Ah oui. Pourtant, il était loin, le maître. Hein. Franchement, il risquait rien pour le moi. Le pauvre. Hein. Ben, c'est vrai. Mais c'est le chien de Valérie. Alors, forcément. Ça fait 600. 600 kilos. Ouais. 600 kilos, c'est pas mal. Allez, regardez la troisième. Là, il dit voilà. On voit même pas le chien. Des trucs. On l'a pas vu. Attends, je vais sur TikTok, je vais voir la vidéo. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer là? C'est compliqué. Il est en train de pisser. Non, on est à l'intérieur d'une maison. Le chien se cache, c'est un jeu de cache-cache avec le chien. Il se cache pas, non. Il a mangé. Le chien. Ouais, il a mangé. Du papier toilette. Ah, non, pas du papier toilette. Non, pas des coussins. Un truc qui fait bruit, un jouet. Non. Le canapé. Des meubles. Non, pas le canapé. Des meubles. Non. Son maître. Il a mangé son maître. Le frigidaire. Un oreiller. Non, hein. Un oreiller. Non. La porte. Une chaise. Il a mangé la porte. Vaille, bien joué, regardez. So I noticed it's kind of empty. I'm like, where's the dogs? Hello. Hey. Oh, ah, attends, on va. Oh, see this shit. Oh bordel. Ah, il est couché tranquillement sur le lit. Hey, Tony, il est pas assez sorti lui. Ça c'est. Il n'a pas sorti dehors lui. Il est pas assez sorti, c'est vrai. Ça c'est une menace de mort. Tu sais, c'est un défi ça. Hein. Ça c'est une déclaration de guerre. Ça c'est la déclaration de guerre. Hein. Dans une de mes émissions, le mec s'appelle Florian, celui qui a défoncé la porte la même. Hein. C'est vrai. Il a fait la même chose. Avec quoi? Avec le poing. Avec son pied. Son pied est rentré, il a traversé la porte. Magnifique. Et ben on en est à 900 kilos. Hein. Allez, regardez-en une dernière. You ready to show off? Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va glisser, genre il va faire de la luge comme de la luge, non? Il va glisser comme de la luge. Il va pousser avec ses pattes derrière, il part vers l'avant, c'est ça, non? Bah, il va glisser. Regarde. You ready to show off? Ah, bravo. Excellent. Attendez, vous en voulez une dernière? On en fait une dernière? Vous en voulez une dernière? Allez, une dernière, maison, une dernière. Il fallait bien qu'on y vienne ce soir, les amis, hein, vous nous connaissez. Hein. Il mange son caca, non? Bah, il va manger son caca, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va manger son caca? Ça reste collé? Il se roule? C'est horrible. Non. Il s'envole? Moi, je pense que le caca tombe pas. Il a peur, le caca tombe son caca. Pas. Il a peur de son caca? Regarde. Je peux plus. Oh merde. Je pouvais pas la trouver. Elle est géniale. Quel moment c'est ça? Bon, eh ben les amis, ça fait quand même une tonne d'eux. On en est à 7 tonnes 4 ce soir. Bravo pour les refuges, bravo. Bravo les amis. Merci Camille d'avoir joué avec nous. Applaudissez Camille, s'il vous plaît. À très bientôt. Et bisous à Sarah. T'embrasse. Salut.
Bon, hey, 7-2, on est pas mal. Là, c'est des vidéos qui sont marrantes, c'est des vidéos sympas, il y en a plein les réseaux, on rigole, tout ça. Mais c'est vrai que par contre, il faut le dire, et faisons une petite pause quand même, 10 secondes, pour dire qu'il y a aussi de plus en plus de vidéos un peu moins marrantes, on les voit tous malheureusement. Et là, ça commence à devenir un vrai fléau en vrai. Bah, j'ai pas le bon rôle parce que je nique l'ambiance. Ouais, mais merci. Mais voilà, non, c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même une recrudescence de vidéos un peu folles. Avec des gens qui brûlent leurs chiens avec des clopes, avec de l'acide. Des gens en plus qui c'est passent vrai. Après sur des grosses exactement, chaînes. Exactement, bien sûr. Et je vais un peu me contredire avec ce que je vous ai expliqué avant, mais c'est vrai que la pédagogie, elle a une limite. Et... Non, oui, arrive le moment où il faut le mettre le poing dans la gueule. Ouais, hein. Et il y a des moments quand même où... Dans le mettre, hein. Ah, dans tu, le te mètre, dis, pas le chien. Tu te dis, là, on arrive à une limite intellectuelle, en fait. On arrive à quelque chose où soit la médecine peut faire quelque chose pour ces gens-là, soit il faut leur faire beaucoup, soit il faut leur faire beaucoup de mal. En tout cas, il faut que ça s'arrête. Et vraiment, il faut expliquer à ces gens que je peux comprendre qu'on ait des problèmes personnels pour exister, pour être quelqu'un. Je peux l'entendre, ça. Mais quand vous voulez brûler un chien, prenez une putain de peluche, tu vois. Il y a le temps de la discussion. Et puis, il y a le temps où, malheureusement, on ne peut pas offrir à ce genre de gens comme ça, un petit peu des tribunes où ils vont parler devant 1 500 000 personnes, comme si c'était normal. Et puis, après, ils rentrent à la maison. Et puis, tout ce qu'on a fait, c'est simplement enlever le chien et puis le replacer quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, les médias tout entiers doivent commencer aussi à réagir un petit peu. Il faut se bouger. Et une ou deux paires de gifles, quand même, c'est un peu difficile de leur éviter. Et je pense que s'il y avait un petit exemple de fait, quand même, on pourrait. Moi, j'ai pas le droit de le dire. Non, tu n'as pas le droit de le dire. Merci. Voilà. Mais bon, en tout cas, on s'est compris. Vous le savez. Non, mais voilà, ça devient compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Et ça dépasse un petit peu là. On est sur de la folie un petit peu. Mais c'est vrai que vu que ça continue à s'enchaîner. Quelle est la bonne solution? Moi, je ne l'ai pas forcément. J'en sais rien. Peut-être les cogner suffisamment fort. Non, on n'a pas le droit d'accord. de le dire. Voilà, voilà. Mais écoute, voilà. En tout on cas, il faut dire que ça qu'on aimerait les attraper, les enfermer. Ouais, non il faut que ça s'arrête. Oui, ça, oui voilà, vraiment, ça, on peut le dire. Vraiment. Bah, en fait, il y a un slogan. Si on inversait les rôles, ils trouveraient ça moins drôle. Absolument. Ça, c'est sûr. Mais c'est des gens qui ne veulent surtout pas qu'on inverse les rôles. Oui. Ils sont très, très forts quand ils sont chez eux enfermés. Absolument. Voilà. Donc soyons vigilants en tout cas sur toutes ces images et dénonçons. Et exigeants ouais, faut avec les dénonçons. Médias. On doit être exigeant aussi. Ouais. Quand on regarde quelque chose, quand il se passe quelque chose, vous devez être exigeant avec ce que vous regardez et on doit être exigeant avec ceux qui ont aussi du pouvoir. Et il y a des médias qui ont du pouvoir. Et donc, eh bien, avoir beaucoup de pouvoir, ça demande aussi beaucoup de responsabilités. Et il faut que tous ceux qui ont du pouvoir les assument, ces responsabilités. Absolument. Voilà. Bravo. Merci. C'est l'heure du dernier jeu. J'ai vu la caméra à 15 000. Je me suis dit, ok, c'est bon. Non, c'est trop. Qui l'a fait? Et les gars, ça c'est fini le jeu. Toi, allez, viens avec nous. Comment tu t'appelles? Mélanie, bienvenue. Assieds-toi avec les copains. Bienvenue à toi. Alors, Mélanie, tu viens d'où? De Levallois-Perret. Pas très loin, du coup. À côté de Webmedia. Mais je t'ai déjà vu, non? Mais c'est fort possible avec un petit staffy marron. Il y a de fortes chances, je me dis que j'ai déjà vu. Ouais, on est voisins. Mais tu taffes de temps en temps, toi, ou tu passes ta journée en bas de chez toi, en fait, Non, mais non. Ils sont race, ils savent sortir. Ouais. Les amis, on en est à 7 tonnes 4, en tout cas, pour les refuges. 8 tonnes 7. Oh ah oui, les jeux de la télé. T'as pas compté les jeux de la télé? Les jeux de la télé, bien vu. Romaric Gore. Comment t'as essayé de nous faire... En moins, désolé Aurore de Somalia. C'est scandaleux. 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 Aurore, elle m'avait dit si quand même, on me fout une tonne. Bon, 8 tonnes 7. Comment tu t'appelles le faillot. Le rectificateur. Comment s'appelle le justicier de la croquette? Absolument. Greg. Greg.
Ah, excuse-moi, Greg. Mais on a l'impression que la voix vient d'en bas. Mais c'est bizarre ça. Hein, c'est quand même étonnant. Tu parles d'en haut, ta voix résonne en bas. Bon, Greg, merci. Tu me dis, hein, tu prends les petits, hein, tu prends les notes. Hein. On va vous poser 8 questions, d'accord. Chaque question est un palier. On va jusqu'à 5 tonnes de croquettes sur ce jeu-là. Autant vous dire qu'on y est. C'est le jeu peut-être le plus important de la soirée. Ouais. C'est un QCM, d'accord. À chaque fois, 4 propositions. À vous de me donner la bonne. Vous pouvez vous concerter, évidemment, concerter le public. C'est parti. Regardez la première question. Ils n'ont pas de joker, ils n'ont rien. Tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Je vais explique le donner après. Bien je vais le donner après, choses. Tiens. Alors, allons-y. Alors, la première question. Le berger belge malinois est-il un... Un molosse, un chien de berger, un chien nordique ou juste un gars qui a des moutons et qui habite en Belgique? Un gars qui a des moutons. Un chien de berger. Ah oui, direct, c'est cash. Veux pas jouer avec eux? T'en fous. Non, on veut juste gagner les croquettes. Mais elle a raison. Un chien de berger, évidemment, c'est une bonne réponse. Une croquette. Oui. Alors, effectivement, tu as raison, j'avais oublié. Il y a les jokers. Eh oui. Il y a les jokers. Vous avez le droit à un joker, Tony. D'accord. Mais est-ce qu'il connaît la réponse? Parce que si c'est le joker, il connaît pas. Ah bah non, moi ça, je sais pas, moi, personnellement. Ouais. Mais veux que ça finisse le joker, mal. Le joker, c'est la réponse, en fait. Le jo... on l'a dit différemment. Il y a le joker Johnny. Le joker Johnny. Johnny, avec un sosie de Johnny qui vient. N'importe quoi. Il y a le joker public, évidemment. D'accord. Tu es venu avec qui? Avec moi-même, mon mari a dû aller travailler. Donc, il travaille où? Il travaille pour lui-même. Ah, il est avec son autre meuf. Voilà. Non, quand tu travailles pour toi-même et que tu dis je dois aller travailler à 22h30, non, tu vois. Non, il s'occupe du chien et il allait travailler après. Ah, il s'occupe après. Du chien, c'est bien. Alors, très bien, parfait. Très bien. Et vous aurez le troisième joker, c'est Greg. Alors voici la deuxième question. Pour 1 kilo de croquettes. Combien de races de chiens y a-t-il dans le monde d'après la FCI? La FCI, on est d'accord, c'est l'organisme qui, à la base, dit il y a tant de... qui reconnaît c'est les races. C'est la Fédération Internationale. 356. Alors, écoutez monde, bien. 4, 356, 973 ou 12 245 245 123,5, parce qu'il y a les Pomsky qui coûtent pour la moitié. 356, moi, je dirais. Ouais. 356 pour vous. Je suis d'accord. Dans le monde entier, les amis, c'est le monde. Hein. Pas 973. Ouais, moi, je dirais 356. Non, 900, les gars, c'est trop. Qui c'est qui prend la question de race de chien, de race de chien. Qui c'est qui prend la question? Ah, qui veut trancher? Mais déjà, moi, je dis en 10 et on verra. On parle de tout, des mélanges. Berger allemand, cocker, Doberman, Rottweiler, Staffy, petit moyen Saint-Bernard, Husky. Le gros machin, la malamoute, le berger australien. Non, je te dis 356. Greg, il a dit 356. 356. Non, mais Greg, t'as pas le droit de répondre. Sauf si vous donnez le joker à Greg. Non, non, pas encore. Mais il a donné, mais on va pas dire que t'as donné. 356. Allez, pour à peu près tout le monde. Regardons bien, la bonne réponse c'est 356. Bravo. On a eu du mal à avoir l'info, hein, je vous le dis direct. Ça, c'est vrai. Hein. Même eux, ils voulaient pas nous la donner. Ils voulaient pas nous la... On a appelé la FCI pour faire ils cette question. Ils ont pensé que c'était un secret, je sais pas. Écoute, je sais pas. On les appelle, ils nous disent « Faites votre demande par mail. » On dit « Non, mais attends, dis-moi le nombre. » Nous, moi, je veux juste le chiffre. Et après, elle nous a dit « Mais pourquoi vous voulez savoir ça ?» Je vous jure que c'est vrai. Donc, on embrasse nos copains de la FCI qui ont, au bout de 4 appels et 2 mails, nous ont bien filé le bon chiffre. Hey, j'ai une question, Tony. Oui. Si je fais accoupler mon chien avec celui de Michou, ça fait notre race ou pas? Oh putain. Ah, non mais c'est une vraie question. Me fais pas ça. Je mérite pas ça, écoute. Non, c'est une vraie question. Me fais pas ce genre de truc. Non. Je t'en supplie. Viens, on en parle après. Vas-y, on en parle après. Ça fait... Parce que sinon, ça fait 357. C'est ça. Je voulais aller plus loin, mais bon, c'est un peu sale. Non. Parce que non. Si on reprend la question de tout à l'heure. Non. C'est non. Ça avait bien commencé, cette soirée elle est jolie comme tout. Mais non, me foutez pas la soirée en l'air. Toi, ça fait marrer quand même. Mais là, c'est... En vrai, c'est... ça se trouve, il y a des gens, ils vont poser la question. C'est non. Ok. C'est non. Non, je voulais pas faire ça. Mais non, ça... Non, non, tu veux pas faire ça, oui, et tu le feras pas. Je le ferai pas. Mais je vais t'expliquer. Ok, oui. Explique-moi. Je vais t'expliquer plus tard. Ok. Non, pour qu'une race, elle soit reconnue, d'accord, il y a tout un processus. Là, ce que tu vas faire, ça s'appelle un bâtard. Non, mais c'est-à-dire pas faire. Un croisé entre ça un truc et un autre truc. Ça, on le fait pas, ça s'appelle pas une race. Ok, non. Ça marche.
Et après, il faut que ce soit reconnu. Okay. Mais à la base, il a plutôt raison que la plupart des races viennent de croisements. Bien sûr, mais non, bien sûr. Pas à l'arrache et pas comme ça. Bon, en tout cas, ça fait 1 kilo de croquettes. Bravo, les amis. 1 kilo, ça fait pas de masse. Hein. C'est-à-dire, avec deux bonnes réponses, on a 1 kilo. C'était pas lié, c'était tonne, pas lié. D'accord. Là, on jouait pour 1 kilo. Ah, bah non, mais les amis, c'est une question facile. Déjà, c'est moi qui dis. Ça veut dire qu'avant, je jouais pour 500 grammes ? Non, là, on jouait pour une croquette. Une croquette ? T'as joué pour une croquette ? La question 3, on joue pour 50 croquettes. Pour le palier, 50 croquettes. Allez, regardez bien. Lequel de ces chiens n'est pas un chien catégorisé d'après la loi ? Le Rottweiler, le Tosa Inu, le Doberman ou le chien de ma grand-mère que j'appelle dans l'intimité mamie Pitbull. Le Tosa Inu. Attendez, on souffle pas, vous savez, il y a le Joker public, donc vous pouvez pas les aider. Parce que mamie Pitbull, c'est catégorisé ? Le Doberman. Est-ce que tu peux rappeler catégorisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement, tiens, rappelons. Alors, il y a certains chiens qui sont classés en catégorie 1 ou 2, donc chien d'attaque ou chien de défense, d'accord ? Donc ils ont des obligations en plus, comme par exemple le port de la muselière, et il y a plein d'obligations qui vont ne pas pouvoir les détacher sur les maîtres. J'ai une question. Pourquoi c'est un chien d'attaque ? C'est un chien comme les autres normalement. Je sais, on y travaille. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Tout à fait. Tu as entièrement raison et on y travaille tous les jours d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte que dans la tête de ceux qui ont décidé ça à l'époque, eh bien, ça fasse un petit peu son petit bout de chemin et que tout d'un coup, la lumière arrive. Mais la lumière n'est pas évidente, surtout quand tu t'attaques, par exemple, au ministre de l'Intérieur. Bien sûr. Et là, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est moins folklorique, en tout cas. Il ne veut pas changer ça, le ministre de l'Intérieur. Mais on y travaille. Mais on y travaille, mon petit gars. Et d'ailleurs, ratez pas le documentaire sur les chiens 4 qui arrive au mois de janvier sur notre chaîne YouTube, où on est allé rencontrer beaucoup de propriétaires de chiens 4, évidemment, mais aussi ceux qui ont fait la loi à l'époque. Le ministre de l'Agriculture. Pour lui demander pourquoi cette loi était si injuste. Et évidemment aussi, des avocats, des vétérinaires. Enfin bref, on a essayé de dégrossir un peu tout ça et pour montrer un autre visage de ces chiens 4. Ça ne me dit toujours pas, par contre, lequel n'est pas catégorisé. Doberman. Tosa Inu, c'est un grand chien. C'est un grand chien qui est... Vous prenez quoi alors comme chien ? Doberman. C'est le Doberman qui n'est pas catégorisé, bravo. Tosa Inu, catégorisé. Dedans, il y a le Très rare en France. Le Rot, le Staff et le Burbull. Et les croisements. Les croisements et tout ça. Et après, c'est là que ça devient la merde et la loi. Il n'a pas les oreilles en pointe normalement, Berlin ? Non, à une époque, il les avait en pointe. C'est interdit maintenant. Il les coupait, c'est interdit. Absolument. Pourquoi c'est interdit ? On ne coupe plus les oreilles, il les coupait. On les coupait, c'est ça ? Avant on les coupait. Bien sûr. Et la queue avec. Mais c'est ça qu'il faut faire aux personnes maltraitantes. Il faut leur couper les oreilles et la queue. Je suis d'accord avec toi. Pas mal, ça. Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Allez, ça fait 50 kilos, regardez, pour 500 kilos. Allez, cette fois-ci, on commence. Lequel de ces chiens a été créé pour protéger les troupeaux ? Le Montagne des Pyrénées, le Berger des Pyrénées, le Husky ou le Cerbère Léonard ? Une vanne pour le plaisir, évidemment. J'hésite entre les deux Pyrénées. Merci. Ouais. C'est le berger, hein? C'est le berger des Pyrénées? Le berger, le berger, ouais, parce que le montagne, c'est le sauvetage. C'est le berger des Pyrénées. Le berger des Pyrénées. Le berger des Pyrénées. Attendez, oh, il m'a pas entendu, hein? Attendez! Oh, mais c'est un joker! Bah, mec, tu dis quoi? Ah, franchement, nous, nos oreilles, on n'entend rien. Normalement. Le berger des Pyrénées. Mais le montagne des Pyrénées, c'est pas un chien de sauvetage? Moi, je ne sais pas, moi. Ah, c'est le montagne, ouais, c'est le montagne. Il y a le montagne des Pyrénées, le berger joker des Pyrénées. Alors, lequel joker, si vous voulez, il y a trois jokers. Lequel tu veux comme joker ? Le public. Tony. Ah, mettez-vous d'accord. Tony. Vous êtes sûr ? Ouais. Tu connais la réponse, Tony ? Tony ! Eh, on en est qu'à la question 4, hein, les amis. Il y en a combien au total ? Il y en a 8. Ah, bah attends, ah ouais, ça va. Non, c'est bon. On a la moitié, ça. Toi, va. Tu dirais quoi ? Bah, eux là, quand ils disent c'est vrai, donc c'est réfléchis, le montagne. Réfléchis, ouais, c'est le montagne. En vrai, y'a pas besoin. Écoute, normalement, un berger ça fait quoi ? Ça garde. Ça garde quoi ? Les troupeaux. Un berger, c'est celui qui fait le lait déjà. Ouais, mais c'est trop évident. C'est un piège, c'est le montagne. Montagne. Ah ! Moi, c'est montagne aussi. Ah ! C'est un piège, c'est le montagne des Pyrénées. Je suis d'accord. C'est mon dernier mot. Je suis d'accord. C'est le dernier mot et c'est un bon dernier mot. C'est une bonne réponse. Ouh, on n'est pas passé loin de celle-là. Hein, 500 kilos sans. Évidemment. Je vous rappelle évidemment que si vous perdez une question, vous perdez tout. Hein, ce qui c'est est accumulé, vrai. Hein. Ah, vous retombez, c'est bien fini. Sûr, hein. Bien sûr, c'est pas marrant. Là, on est à 500 kilos. Le mec, il invente des règles. C'était pas dit.
T'as pas le droit de faire ça. Il invente des règles. C'est comme qui veut gagner des millions. T'as déjà vu. C'est qui veut gagner des croquettes, grosso modo. Jean-Pierre, il se fait pas chier. Tu t'installes, il fait ce qu'il veut. 500 kilos. Ah, c'est ça. Absolument. Bon, le Montagne des Pyrénées, oui, c'est lui. Le Montagne des Pyrénées protège le troupeau, le Berger des Pyrénées guide le troupeau. Oui, c'était ça le piège. Voilà, ils ont déjà travaillé par le passé conjointement en plus, hein. Oui, c'est assez rare. Ouais, ouais, ce sont associés. Des fit. Ce sont associés. Fit, montagne, et dans les Pyrénées, ça se passait dans les Pyrénées, montagne et berger. Et pour les amateurs, un va être un chien décisionnaire, le Montagne des Pyrénées, un autre non décisionnaire, le Berger des Pyrénées. Voilà. Voilà pour ça. Et cette explication. Bravo les amis, 500 kilos. On joue pour la tonne. Allez, c'est le palier de la tonne. Cette fois-ci, je vous rappelle qu'on va jusqu'à 5 tonnes. Hein. Le palier de la tonne. Quel fromage est aussi... Toi, ouais. Ah oui, bah oui, non, c'est normal, c'est normal. J'ai vu le mot fromage, ça m'a... Ouais, ça t'a attiré. Ça me gratte un peu, tu vois. Quel fromage est aussi une race de chien? Le bleu de Bresse, le bleu d'Auvergne, le bichonnet ou le clacos? Le bleu d'Auvergne. Le bichonnet. C'est le bichonnet, non? Le bleu, c'est impossible, il n'y a pas de chien bleu. Donc c'est le bichonnet. Ah, si. C'est une bonne réflexion. Et hein. Le claco, ça veut dire le claquer, ça n'existe pas. Ça dépend à qui il appartient, le chien. Moi, c'est le bleu d'Auvergne. Ah, c'est vrai, c'est au schtroumpf, les chiens des schtroumpfs, par exemple. Ouais. Moi, je pense que c'est le bichonnet. Bichonnet, il y a bichonnet aussi. Non, non, Anthony m'a mal regardé, c'est pas le bichonnet. T'es sûr de... Valérie, elle a l'air sûre d'elle. Hein. Quel fromage, la question et la réponse. Le bleu d'Auvergne. Tony, qui disait c'était d'accord. D'accord avec Valérie. Donc là, il y a un chien qui s'appelle Laurent Blanchon. Le bleu d'Auvergne. Le bleu d'Auvergne. Le bleu d'Auvergne, c'est ce que je dis depuis le début. Voilà. Elle a raison, allez, on arrête. Valérie, c'est le bleu d'Auvergne. Le bleu d'Auvergne qui est effectivement un fromage et un chien aussi. Le chien, il a le fromage à son dos. Et puis sur son corps aussi. C'est vrai. C'est le bleu d'Auvergne, c'est un chien. Oui, le braque d'Auvergne. C'est le braque d'Auvergne aussi. Oui, c'est son vrai nom. D'accord. D'accord, c'est un chien d'arrêt, c'est un chien d'arrêt polyvalent. C'est assez rare pour le souligner. Oui. Les races françaises le sont comme ça. En gros, il est capable de faire plusieurs actions de chasse. Le chien d'arrêt, en gros, en général, c'est les oiseaux. Il en voit un, il se fige, il bouge plus rien du tout. Sauf que en France, les races qui font ça sont aussi capables de faire d'autres choses et d'autres actions de chasse. Voilà. Très bien. Et ben voilà pour le bleu d'Auvergne, le braque d'Auvergne aussi. Et ben on va à la question 600 tranquillement avec une tonne 5. Le palier d'une tonne 5. Quel est l'angle de vision du chien? Entre 170 degrés et 200 degrés. Entre 250 degrés et 280. Contre les pomskis. Entre 300 et 330. Et entre 390 et entre 390 et 420, parce que le chien est vachement fort, sauf le pomski. Alors là, on prend le joker Tony, on est d'accord. Voilà. 250. Bah, joker. Qu'est-ce que vous dites déjà? Attendez, qu'est-ce que moi, vous dites? Je sais pas. 250. C'est pas. Moi, je sais pas, sérieux, je sais pas. Y a pas le joker public. 170. C'est 170, c'est obligé. 170. Non. C'est quoi pas un humain? Oui, c'est ça. C'est pas ça, les gars. Toi, tu nous as dit, y a pas de chien bleu. Non, faut pas oublier que le mec, c'est un influenceur. Donc il essaie de nous influencer. C'est ça. Dans la mauvaise réponse. Il est mentaliste, le bordel. Non, mais déjà, un humain, c'est combien à votre avis déjà, un humain? Bah, c'est 180. 180. Pas tout à fait. Nous, on voit 180. Un peu moins. Bah, il a raison, un peu moins. Alors, un chien. À votre avis? Bah. Ah oui, les chiens, ils ont les yeux, mais sur le côté. C'est 250. Ils ont les yeux de côté, c'est pas une chouette, hein? Non, mais ils sont un peu comme ça. Donc, ah non, c'est 250. C'est 250. C'est 250. Par élimination, moi j'ai. C'est 250. 250, 250. Alors. Bon, joker public, non? 250. J'ai des informations précises. J'ai des chiffres qui tombent. Si vous perdez, vous perdez tout, hein. Mais si, hein, les gars. Okay. Et là, on a. Ah ouais. 250. Allez, je le rends. 250. Oui, c'est une bonne réponse. Allez. Oh là là. Merci le public. Et merci le public. Je sais pas comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Mais c'est elle qui avait raison depuis le début. Le mec est bizarre, hein, vous me dites. Voilà, oh, elle, la petite là. Comment tu t'appelles? Oui. Oui. Sarah. Voilà, c'est Sarah. Eh ben, c'est qui grâce nous à Sarah attendu. Que. Voilà. Hop là. Une tonne 5. Bravo Sarah. Bravo. Alors, justement. Alors pourquoi? Il a une vision donc qui part beaucoup plus derrière. Et ça peut vous entraîner dans une galère. Vous savez, souvent, quand vous voulez bosser la marche en laisse, vous voulez impérativement que le chien ait la tête là. Le problème, c'est que s'il a la tête là, il voit quand même le mouvement de votre jambe. Et résultat, il fait bien les choses. Et vous, vous allez vous acharner à me faire des allers-retours dans tous les sens. Et vous allez commencer, en fait, à dire au chien,
je ne suis pas clair avec toi. Je ne sais pas ce que je veux et je ne sais pas ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que vous voulez qu'il suive le mouvement de votre jambe. C'est exactement ce qu'il fait quand il a la tête là et vous lui dites c'est non. À un moment donné, il ne sait plus, il ne comprend rien. Et quand il ne comprend rien, il s'énerve et il tire encore plus fort. Et vous vous énervez. Et résultat 2, on a une marche en laisse qui est nickel, simplement, il a la tête là et pas là, et ce n'est pas un drame parce qu'il ne tire pas. Eh bien, vous finissez avec un chien qui n'a plus de marche en laisse et en plus qui devient réactif aux humains, aux chiens, aux vélos, parce que vous avez fait que mettre des à-coups. Donc on fait attention, c'est une particularité du chien, il voit très loin derrière. Donc, vous pouvez vivre ce genre de choses quand vous faites de la marche en laisse. Alors, dans ces cas-là, s'il ne tire pas, s'il est juste là, on se détend et ça se passe très bien. Et voilà. Ça fait 1,5 tonne. En tout cas, le palier 1,5 tonne est franchi. Il reste 2 questions, les amis. Prochain palier, 3 tonnes. Et le dernier, c'est 5 tonnes. Il ne faut pas perdre, là. On est d'accord. Regardez cette question pour gagner les 3 tonnes. Lequel de ces sports canins existe vraiment ? Le montagne... Le maire, le campagne, le touche pas, je te dis, où tu vas te prendre une sale rouste, sale clébard. Stop, le joker, il n'existe plus. Le joker public. Oh, le campagne, je crois que c'est ça. Après, je connais quand même certains clubs où le touche pas, je te dis, où tu vas t'en prendre une sale clébard, c'est un sport qui existe. Oui, bien sûr, beaucoup trop. Moi, je pense ça que... Ça a donné un documentaire, absolument. Ouais. Merci de le rappeler. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je te fais confiance. Le campagne ? Le campagne. Genre, je le sais, genre. Je suis d'accord, moi. Ah ouais, aussi ? Ouais. On est allé voir une compétition de campagne la dernière fois, je crois. Ah, et qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait, alors, moi, ça me dit quelque chose. On faisait du... Mais on oui, j'ai vu... Mais bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait une compétition de campagne. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles. Ouais, le campagne, qu'est-ce qu'on ça a fait, me dit quelque chose. Le campagne, ouais, d'accord. Le campagne. Mais qu'est-ce que t'as aimé le plus dans le campagne, toi, quand t'as vu le... Moi, quand il court. Ah, oui. Non, quand il se roule dans l'herbe. Ah ouais, c'est vrai, ce moment ça, est sympa. Bien. Ouais, c'est vrai, dans c'est la vrai. Campagne. Dans la campagne. Dans le campagne. Ouais, d'ailleurs. Le campagne. Ouais. Eh ben, le campagne est une très bonne réponse, bravo. Bravo, bravo, franchement, bravo. Bravo. Le campagne, c'est quoi? Alors, le campagne, c'est un sport de prise, un peu comme le ring. En gros, c'est sa cousine, d'accord ? Ça se fait en... Genre, tu fais une clé Ouais, un sport de mordant. Ah, ok. Voilà. Il y a 22 activités à l'intérieur. C'est, pour certains, la plus complète. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi du rapport à l'eau. Et ça, c'est vrai que c'est une particularité de cette activité-là. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils essayent, en fait, de recréer uniquement des situations naturelles. Ils vont travailler dans des endroits où il y a 6 hectares ou 3 hectares selon les terrains de travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose de complet. C'est quelque chose où ils essayent d'amener le chien au plus proche de la réalité. Et c'est aussi une des rares activités où il y a du travail à l'eau. Très bien. Et bien, le campagne, voilà. 3 tonnes, en tout cas. Bravo. 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 Dernière question, les amis. La dernière pour les 5 tonnes, ce qui nous emmènerait à 13 tonnes 7 pour les refuges ce soir. Franchement, on serait pas mal. Hein. On serait très bien. Et il nous reste 2 jokers. Et il reste 2 jokers en plus. Greg et Tony. On y est normalement. Il y a 2 fois l'organe de Jacobson. Hein. Non, regarde bien. Quel est l'organe qui permet aux chiens de discriminer les odeurs? On en a parlé tout à l'heure. Attendez. L'organe de Jacobson, l'organe de Jacobson, non. L'organe de Peterson, sûrement pas. Ou l'organe de Dwayne Johnson. Encore moins, c'est le 1. Dwayne Johnson, ça doit être puissant comme organe quand même. Eh hey, les gars, on risque pas tout, on prend l'organe Tony, n'importe quoi. On prend l'organe Tony. Il faut demander à Greg. Non, excuse-moi Greg. Franchement, tu sais bien compter, mais je sais pas. Je vais plutôt demander au gars qui sait les campagnes et tout là. Comment t'as résumé ta carrière? Elle t'a foutu en l'air en 2 minutes. Oh, elle toi, vient en de me foutre 15 ans de ma vie en 2 minutes aussi, tu vois. C'est Valérie. Voilà. Moi je dis prenons le joker le meilleur, quoi. Enfin le gars. Oui. Ouais, c'est bien rattrapé, c'est bien joué. Le joker. Non, Greg il sait bien compter. Merci Greg. Merci Greg d'ailleurs. Mais on en est à combien, Greg, là? On en est à presque 15 tonnes, voilà. Ok. Il a perdu le fil. Il a compris. Greg, il est dans les filles. Je me casse. Je suis pas dit. En même temps, c'est mardi matin, là, déjà. Donc, Alors, vas-y. 11-25. Il est sorti des papiers d'ailleurs. Est-ce que le public le sait? Ils sont meilleurs que nous.
Est-ce que Jimmy le sait? Ah, t'as Jimmy, raison. Le 1. Jimmy. Le petit Jimmy, est-ce qu'il le sait? Hey, demande à Jimmy s'il le sait, qui est en face de toi. Le 1, t'es sûr? Jimmy, là, qui est là, là. Jimmy, demande à Jimmy s'il le sait. Jimmy, dis-moi. Il est là, là, en rouge. Tu là. Sais pas? Ah, Jimmy, il a trop peur, il s'en prend. Fais non, là, non, viens non, non, non. Viens, 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 Jimmy, viens. Jimmy. Présenter quelqu'un, viens. Jimmy. 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 Allez, viens, Jimmy. Fais lever tout le banc en plus. Ouais. Il était au milieu. Il était pile au milieu. Ouais, on aurait pu se le passer, hein. Ça aurait été plus simple. T'as raison. Applaudissez Jimmy, bienvenue Jimmy. Salut mon pote. Bienvenue, tiens, mets-toi vers Pascal comme ça, on sait jamais. Voilà. Comme ça, si jamais tu bouges, je t'en mets une. Voilà, très, très bien. Ça va Jimmy? Ça va bien se passer. Très bien. Tu passes un bon moment, Jimmy? Ouais. Jusque-là, ouais. Il a réfléchi. Jusque-là, ça allait. On fait la réponse. On fait une meilleure réponse. Tu passes un bon moment, Jimmy? Ouais. Non. Encore plus. Tu passes un bon moment, Jimmy? Je m'éclate. Ah, attends, bien. Bravo, Jimmy. Tellement naturel en plus. C'est sorti du fond. Spontané comme ça, vraiment, ça fait plaisir. C'est spontané, ça fait plaisir. Ah ouais, est-ce que tu connais c'est la bonne? Tu connais la bonne réponse, Jimmy? C'est la bonne réponse. Non. Oula. Alors qu'est-ce qu'on fait? Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les 5 tonnes, hein. Il dit non, mais il dit la une celui-là. Ouais. Parce qu'il perd de tout, hein. Il perd de tout, hein, si tu perds. Jimmy. Alors, Jimmy, oui, ne déconne pas. Joker. Fais confiance à ton instinct, la Jimmy. Une. La une. C'est la une pour toi, Jimmy. Eh ben, c'est la une. C'est une bonne réponse. Oh yes, no. Bravo, Jimmy. Applaudissez, Jimmy. Merci. Eh oui. L'organe de Jacobson, on en a Jimmy. Parlé tout à l'heure. Jimmy. 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 Les amis, ça nous amène à 13 top 7 pour les refuges. Attends, je préfère demander à Greg quand même. T'as raison. Greg, est-ce que tu valides les 7 top 7? 13. Je valide. Ouais, c'est validé par Greg. Bravo. Les amis, 13 tonnes 7. Greg le comptable, excellent. Greg grave le comptable. 13 tonnes 7, c'est incroyable. Ça me fait quand même juste un peu chier parce qu'on aurait pu gratter encore une tonne 3. J'avoue. C'est vrai. On peut rajouter un jeu ou pas? Ah, j'ai pas de jeu, on peut. Ah. Attends, mais il y a un jeu et un truc qui est facile quand même. Qu'est-ce qu'il y a? On regarde. Eh hey. Majid quoi? Hey. Ah, attendez. Oh. Mais. Je pensais qu'elle m'envoyait une pierre. T'as vu comment elle a balancé ça? Elle me jette une pierre. C'est pas fragile du tout de ce qu'il y a dedans. Quand la balance est comme ça, comme une merde. Pour reconnaître l'odeur. La personne. Ça appartient à quelqu'un du public. J'ai dormi avec pendant une semaine. Un chien. Oh les bâtards. Ah les salauds. Un chien, c'est comme une étoile filante. Même quand il n'est plus là, il continue de briller. Il faut savoir que sur notre page Facebook, tous les mois, il y a Tony qui met une citation de lui parce qu'il se prend un peu pour un poète, vous voyez. Et vu qu'on n'ose pas lui dire non, eh ben on la poste quand même. Bravo. Qui a fait ça? Comment tu t'appelles? Vas-y, viens par là. Putain, merci beaucoup. C'est énorme. Merci et applaudissez Mathilde. Mathilde, tiens, reste avec nous pour la Allez, fin de l'émission. Tiens, Mathilde, assis-toi à un endroit. Reste avec nous aussi, restez tous là. Non, je suis désolé. Par contre, il faudrait juste, parce que j'ai pas ma dernière fiche. Si on peut m'apporter ma dernière fiche, s'il vous plaît, pour la. Parce que du coup, là, je suis un peu comme un con. Excusez-moi, hein, vraiment. Ah. Merci. Merci. Merci, Mad. Merci, merci beaucoup. Voilà. Ça, ça va m'aider. Incroyable. J'aurais pu payer. Il pour l'avait ça. Promis il y a un an, hein. Ben voilà, il fallait que ça se fasse au gymnase. C'est pas vrai. Bon, hey, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire comme dernier jeu? Il y a quand même une tonne 3. Regardez, j'ai un truc là. Bâtard, oui, on avait promis une chanson. C'est le, c'est le public qui fait ça. Attendez. C'est quoi la chanson? C'est une promesse à la con qu'on avait fait il y a quelques temps. Non. Un chien, c'est comme une étoile filante. Même quand il est plus là, il continue de briller. Les amis, regardez, j'ai chopé ça. Patrick Bruel, c'est comment super beau. Tu, franchement. Putain, hé. Fais-le à la Patrick Bruel. Putain, je la tiens. Je suis sûr. C'est vrai? Ouais.
J'ai l'impression, parce que face à toi, j'ai, non, j'ai non, l'impression. Non, je n'imite pas, vas-y. Non, mais je sais, mais bon, tu as l'oreille de... Ouais, mais vas-y. Un chien. C'est comme une étoile filante, putain. Même quand il n'est plus là, continue de briller. Putain, ça a fini sur Renault à la fin. Dan, il y a Renault qui a failli arriver. On peut faire Renault, hein. Ben voilà, c'est ça ta dernière épreuve. Chacun doit chanter ce qui est écrit sur le t-shirt à sa façon. Non, je pense qu'il y a mieux comme épreuve. Ouais, regardez. Tu veux pas chanter? Vous savez non, quoi? Je suis pas très beau chanteur. Ah, regarde, regarde ce que j'ai. Toi, tu chantes la moi avec une vraie voix. Qui? Toi, bah. Celle que tu veux, mais Vanessa... tu as une vraie. Ah, une vraie. Une chanteuse, une vraie, quoi. Oh, un truc puissant, là. Ah ouais. Un chien, c'est comme une étoile filante. Même quand il est plus là, il continue de briller. Tony Filosa. Génial. Merci, Sandrine. T'en prie. Regardez ce que je vous propose comme jeu. Regardez, vous savez ce que c'est, ça? C'est absolument ça. Ça mesure le volume du bruit dans la salle. Je propose un truc. Si on passe les 120 dB, c'est très haut. Aller, hein. Ouais, c'est très haut, 120 dB. C'est un avion. Hein. C'est un avion. Il faut prévenir les voisins. Ouais, faut prévenir les voisins. Il faut prévenir peut-être le petit gymnaste qui est en dessous de nous, ouais. Qui va nous voir arriver. Ce soir. Les amis, si on arrive à 120 dB, c'est un avion, hein, 120 dB. Donc autant vous dire que... Hein, la tonne 3 qui manque, on la met dedans et on aura gagné tous ensemble 15 tonnes de croquettes pour les refuges. Eh ben allez, on fait comme allez. Ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oh. On y va? 3, 2, 1, faites du bruit. C'est n'importe quoi. On va finir tous courts. Merci à vous, s'il vous plaît. Applaudissez surtout très fort ceux qui ont fait le show ce soir pour les chiens, pour les refuges. Pascal était avec nous ce soir. JM, évidemment. Valérie Damido. Le grand, le beau, le... Évidemment, vous, vous représentez le public, vous Malama était avec nous. Sandrine Alexis. Et Monsieur Inakstein était avec nous. Juste avant qu'on se quitte, les amis, s'il vous plaît. Oui, dis-moi. Et merci à vous deux. Merci, mon frère. Merci, merci beaucoup, merci. S'il vous plaît. Et merci aux régisseurs. Et merci à toute la technique, évidemment. Merci à toute la technique. Et merci à Greg. Merci Greg. Hey les amis, sans vanne, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Zomalia, merci. Merci Zomalia pour toutes ces croquettes. Merci à notre deuxième partenaire Wamis, qu'on embrasse très fort. Merci les copains. Et s'il vous plaît, j'aimerais qu'on se quitte et qu'on prenne 20 secondes pour appeler toute l'équipe d'Esprit Dog. S'il vous plaît, vous les connaissez, d'autres oui, certains non, pas encore. Il y en a qui viennent de nous rejoindre, s'il vous plaît. Faites du bruit pour toute l'équipe d'Esprit Dog, à commencer par les deux filles que vous connaissez, évidemment. Par les sorcières. Oui, les sorcières, elles sont là aussi. Faites du bruit pour Jess et Mélo, du bruit. Elle est passée où, Mélo? On a perdu Mélo. Ah, Mélo, appelez Mélo, okay. Bah, elle s'est barrée. Mélo, 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 Mélo. En attendant, Mélo, s'il vous plaît, faites du bruit pour aussi le reste de l'équipe. Il y a Gabin qui est avec nous ce soir. Viens, mon chéri. Faites du bruit pour José Benzema aussi qui était là ce soir.
Bien bonjour José. Bien sûr, bien sûr. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour notre chargé de partenariat. Faites du bruit pour Héloïse, s'il vous plaît, qui était là. Notre chargé de production aussi, Emma, qui est avec nous. On a oublié le roi. Bah attends, attends, je le garde pour la fin, je le garde pour la fin. Faites du bruit pour celle qui s'occupe de tous les réseaux sociaux et aussi de notre boutique, de tout. Je vois plein de t-shirts, no racisme. Merci de jouer le jeu, les amis. Merci pour ce événement. Faites du bruit pour Lina aussi. Faites du bruit pour notre Catwoman préférée. Faites du bruit pour Monsieur Mathilde. On a failli attendre. Les amis, vu qu'on est dans un théâtre, dans ce beau théâtre du gymnase, merci à vous. J'aimerais qu'on salue tous ensemble, comme au théâtre, les amis. Venez pour image de fin. Merci à tous. Ah. Donnons-nous tous la main. Merci pour les refuges, les amis. Merci à vous tous. Merci d'avoir joué le jeu. Venez tous, venez. Venez, venez, venez. Et surtout, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci le gymnase, merci à vous. Merci, à très vite, bonne fin d'année.